Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver en direct de la chaîne Édition Cana. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet quelque peu fuyard, puisque nous allons aborder Yusei Matsui et son œuvre. On passant évidemment par Assassination Classroom, puis sa dernière petite pépite du côté du Shonen Jump, The Elusive Samurai. Nous sommes évidemment, comme à chaque fois, accompagnés d'un parterre d'invités pour parler de cet auteur. Nous sommes en compagnie, pour la deuxième fois, de Monsieur Pascal Benatar, toujours chez Microïds. Comment il va, celui-ci ? Bah, tout va bien. On est très content de parler de Assassination Classroom, entre autres. Et puis, on a plein de surprises et puis plein d'anecdotes à voir et à partager avec tout le monde. Eh bien, c'est tout ce qu'on veut. Nous sommes en compagnie de Timothée également, qui a fait du chemin, voilà. Il est enfin avec nous. Comment ça va, Timothée ? Très bien, désolé pour le retard. Mais il n'y a pas de problème. Je ne maîtrise pas le Mac 20, donc voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui le maîtrisent non plus, hein, je te rassure. Donc tout va bien là-dessus. Et nous sommes en compagnie de Shedley. Comment il va, le frérot ? Bah, ça va super, bien content d'être invité, comme toujours. Donc merci, Cana. Et puis merci à tous, on va bien s'amuser. On va parler de jolis sujets. Ouais, clairement. On va parler de beaucoup de sujets. On va évidemment revenir un petit peu sur le pourquoi de ce live. Ça fait maintenant 10 ans que Assassination Classroom est sorti. Donc il fallait un peu rendre hommage à cette série qui a rencontré un sacré succès en France. Faut quand même le garder dans ses esprits, hein, parce que c'est un vrai succès en France. On va d'ailleurs expliquer un petit peu justement sur quoi ça se base, comment justement aussi il marchait au Japon. Et ensuite, on revient également sur la sortie de The Elusive Samurai et la toute nouvelle sortie du côté de Yusei Matsui. Voilà un petit peu le tour de pourquoi on fait ce live. Est-ce qu'on commencerait pas tout simplement par comprendre un petit peu qui est Yusei Matsui ? D'où est-ce qu'il vient ? Parce que j'avoue que moi, avant Assassination Classroom, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu as des petites informations à nous donner pour nous, mon très cher Timothée ? Je crois qu'on peut dire que c'est un pur produit du Jump. Ouais. Il commence en 2001 comme assistant sur la série au nom imprononçable Bobo. Ah oui, bien sûr. Voilà. Incroyable, manga de fou. Incroyable. Et puis très vite, après, il enchaîne sur Neuro, le mange-mystère, en 2005. La série va fonctionner gentiment, elle va s'arrêter, et puis il va faire un ou deux one-shots qui seront toujours publiés dans le Jump, avant d'attaquer avec Assassination Classroom en 2012. Et voilà, c'est parti pour 21 tomes qui cartonnent. De nouveau une pause où il va de nouveau faire des one-shots qui seront là encore publiés dans le Jump avant de revenir avec Elusive Samurai, toujours dans le Jump. Donc voilà, Produit Shueisha jusqu'au bout. Quoi. Produit Shueisha jusqu'au bout. Il donne même des cours dans l'école de manga de Shueisha où c'est des sessions rassemblées sur quelques jours pour devenir mangaka. Et voilà, il donne aussi des cours là-bas. Quoi. Ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est quoi ? C'est une école qu'ils utilisent justement pour essayer de former un petit peu tout le monde parce qu'on sait que maintenant, le métier de mangaka prend un essor considérable, même du côté de l'étranger et même de façon globale sur le monde. C'est quoi ? C'est des cours, ouais, comme tu l'as dit, sur plusieurs jours, mais tu sais un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ? Parce que non, du coup, j'avoue... Je connais pas le contenu des cours, mais j'imagine que c'est un peu les bases ou les trucs et astuces pour... mais réussir à présenter un projet digne de ce nom à la Shueisha être dans les magazines de la Shueisha. C'est vrai que c'est quand même... Voilà, avec leur niveau d'exigence qu'on peut imaginer. On peut très bien le voir, notamment à travers Bakuman, qui est aussi chez Cana. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être, en vrai, j'aimerais bien faire un live sur Bakuman, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur justement comment ça a été romancé tout ça. On va continuer avec toi, Timothée, parce que du coup, je suis quand même assez curieux sur toi, en fait, ce que tu en as pensé de la première fois que tu as lu du Yusei Matsui. Parce que tu as parlé, donc, du coup, qu'il était assistant sur Bobobo, puis ensuite de Nero. Nero, on sent que c'était vraiment sa première œuvre et que c'était pas non plus, le cran qu'il fallait pour atteindre un succès assez certain, je trouve, pour un manga. Écoute, moi, de toute façon, je le découvre avec Assassination Classroom. Mm-hmm.
et je suis un peu désarçonné par, ouais, le, bah, par son personnage, par son protagoniste, Koro. Ah, ça, c'est sûr qui que... Est, qui est vraiment à part. Et après, ce qui va me, ce qui va me bluffer, c'est le, l'efficacité dans la narration. Ouais. Ça peut aller dans tous les sens, c'est super lisible. Ouais. Et l'air de rien, on se fait embarquer et puis on commence à dévorer les pages et voilà, et on ne s'arrête pas. Donc il y a une maîtrise, l'air de rien, dans sa construction, dans son trait. Dans son trait, ouais, clairement. Son trait, il est très varié, bah justement, on peut voir. Hein. Un grand sensei un petit peu énervé. Mais ça, pour le coup, tu vois, c'est quelque chose que je trouve assez ouf, c'est qu'il a vraiment une capacité à modeler son trait. On reste pas sur quelque chose d'uniforme. Là où il y a des mangas où des fois, tu vas te perdre un petit peu dans ce truc-là et rester sur quelque chose de très uniforme, là, il va être capable de faire des grosses coupures. Bah, y a une vraie, c'est vrai qu'il y a une vraie coupure ou une vraie marque de fabrique qui commence à se mettre en place avec Assassination Classroom, mais en animé... Neuro avait quand même eu le droit à son dessin animé. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas forcément une œuvre qui n'est pas aboutie, mais il avait déjà mis en place. Je me dis que ce n'était pas abouti. Non, mais il a déjà mis en place, tu vois, des mécaniques avec un personnage qui est d'abord un peu dur, un peu. Qui n'est pas forcément aimé tout de suite et qu'on commence à découvrir. Et Neuro, ouais, il était un peu dans. Voilà, un truc un peu macabre aussi, un peu différent, où on se sent un peu mal à l'aise. Avec Assassination Classroom, moi j'ai trouvé qu'il s'était un peu assagi en mettant une classe, tu vois, en mettant un peu plus shonen, tu vois, un peu moins enquête. Peut-être que Timothée, tu pourras clarifier un peu ce propos. Mais pour moi, vraiment, avant d'aller sur Assassination Classroom, d'un point de vue animé, Neuro était quand même un petit titre qui, je pense... Oh, t'avais du potentiel, ouais, ça c'est sûr et certain, bien sûr. Mais en 2000, tu vois, dans les années entre 2000 et 2010... Il y avait pas, on n'a pas eu la recrudescence comme on a pu avoir. Il est arrivé peut-être tout, trop tôt aussi. Voilà, Crunchyroll avec ADN, avec voilà tous les, ouais, puis la diffusion de ce type de, ouais, de d'animé. C'est une question de timing. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'il y a, ouais, y a ça aussi. Ouais, si, ça joue vrai. Énormément le timing. Voilà, bah, c'est la période où il y a le Big Three. Donc oui, c'est vraiment c'est le moment où tu as Naruto, Bleach, One Piece qui font top 1, top 2, top 3 toutes les semaines. Ouais, c'est sûr que c'est dur d'avoir un petit espace, quoi. C'est donc ça, je pense que voilà, tout le monde s'est engouffré là-dedans. Après Assassination Classroom, moi je partage un peu l'avis de Timothée, mais je rajouterais que en effet un personnage qui apparaît méchant et qu'on commence à découvrir qui en fait a une vraie morale, qui va aider les gens, qui faut pas se cacher, hein, pur shonen, mm-hmm, pur shonen, mais avec une base un peu dérangeante. Il va détruire, ouais, la terre. Il y a des armes, il y a des choses. Niveau animé, et puis c'est notre partie, enfin c'est ma partie, niveau animé, ça a été un peu difficile de l'amener. Mmh. Comment on va pitcher une série où on dit, ben voilà. Il faut buter le prof. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, ah, on a une bien classe. Sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut buter le prof. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va la mettre en avant? Mais le manga avait déjà fait son œuvre. L'animé est arrivé un peu après. Moi, on a réussi aussi à trouver un axe de. Mmh. De doublage, en tout cas en français, où moi je suis. J'adore la façon dont ça a été doublé, et puis notre studio qui avait fait Timeline, qui a géré ce projet de A à Z, ouais, a vraiment mis les bouchées doubles là-dessus. Voilà. Il n'y a pas que le méchant, il y a aussi. Qui n'est voilà, en plus même pas finalement méchant. Vraiment méchant, parce que ça fait partie intégrante aussi des. En fait, Koro-sensei, ce qui est très marrant, c'est que limite on le considère comme le héros du manga, en fait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'à travers cet antagoniste, limite on a l'impression que c'est le héros et toute l'histoire limite découle autour de lui. Alors on sait que c'est pas le héros évidemment, mais j'aime beaucoup quand même l'humanisation que va arriver à poser Matsui sur Koro-sensei. Je trouve que c'est quelque chose de très fort. Mais justement, Shelly, moi je suis curieux de t'avoir un petit peu ton avis sur Yusei Matsui. Je sais pas si t'as lu The Illusion Samurai aussi, mais du coup je suis très curieux de savoir en fait toi comment tu te positionnes vis-à-vis de l'auteur. Bah écoute, moi je découvre l'auteur et je le redécouvre à travers The Illusion Samurai. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois il nous propose de l'innovation, et moi je suis constamment à la recherche de cette innovation, parce que dans le monde du shonen c'est très difficile de renouveler ses codes, on retrouve. Et là, on arrive avec Assassination Classroom. D'entrée de jeu, comme tu dis, on est sur un protagoniste slash antagoniste, héros, anti-héros, vilain, on ne sait pas trop. Et en fait, je découvre des Illusive Samurai et c'est la même chose, en fait. Ouais. Ça veut dire, on sait qu'il n'est pas méchant, mais est-ce que c'est un anti-héros? Est-ce que c'est un héros? Ouais, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et c'est ça qui rend vraiment
le côté vraiment innovant en fait de la chose. On sort un petit peu de sa zone de confort où on sait qu'il va commencer tout bas, qu'il va défoncer tout notre héros du shonen. Et au final, à chaque fois, on arrive sur des trucs que on ne sait pas ce qu'il est en train de faire avec ses personnages et c'est trop cool. Là, Koro-sensei, oui, c'est un petit peu l'image de Assassination Classroom. Et là, on a aussi un autre personnage qui lui ressemble énormément dans The Elusive Samurai. Il y a un petit peu tu vois, c'est un petit peu son descendant, donc c'est vraiment très cool de pouvoir retrouver tu retrouves des gimmicks, Assassination Classroom. Ouais. J'aime beaucoup en tout cas les clins d'œil que les mangakas font sur leurs œuvres précédentes avec leurs nouveaux personnages, leur succession en fait. Et ça, c'est vraiment un gros point fort de The Elusive Samurai. Et je te rejoins quand tu parles de. Il nous sort de notre zone de confort, il y a des visages dans ces méchants. Il leur fait des trognes, mais c'est pas possible d'être exagéré de cette manière-là. Et au départ, ça déstabilise. Ouais. Et puis, tu comprends la mécanique et comment ça sert aussi l'histoire, comment ça caractérise encore plus ces personnages-là. Et on le retrouve, je dirais, encore un cran au-dessus dans Elusive Samurai. Ouais, complètement, oui. Les méchants sont grotesques, en fait, au final. Tu sais pas si sérieux. C'est plus grotesque. Tu sais pas s'ils font peur. Tu sais pas si, en fait, des Elusive Samurai, c'est une comédie. Est-ce que c'est que dans le drôle? Parce que quand on sait que le pouvoir, entre guillemets, du personnage principal, c'est la fuite, est-ce que tu es supposé prendre ça à la rigolade? Mais au final, c'est très sérieux en même temps. Et donc, c'est ça qui fait qu'on est très déstabilisé. C'est vraiment ce terme avec les œuvres de Yusei Matsui. Comme ces héros aussi, qui ne sont pas effectivement les archétypes des héros qu'on a pu rencontrer jusque-là. C'est sûr que c'est pas Naruto. Plus proche du anti-héros ou du personnage un peu discret, effacé, qui va se révéler être. Je suis assez d'accord. Pour le coup. Mais je pense que ce qui est bien, parce que c'était une question qui viendra juste après, on y reviendra juste un tout petit peu après, mais effectivement, c'est l'une des grosses thématiques, en fait, j'ai l'impression, de Matsui, de se dire, ok, j'amène quand même de la comédie, parce que on sent qu'il aime faire ça. On sent qu'il y a un vrai besoin de son côté de rajouter de la comédie, mais qu'à chaque fois, sa comédie réussit à servir ce côté dramatique par la suite. Tu vas avoir je trouve que dans Elusive Samurai, d'ailleurs, c'est même peut-être un peu plus puissant, puisque, pour vous juste pitcher un tout petit peu, mais Elusive Samurai, c'est le début, t'as littéralement toute une famille qui se fait décimer, qui est censée être la famille héritière du trône, elle se fait fumer en 33 jours. Violemment. C'est une catastrophe. Le Japon féodal. Et pourtant, sur ce premier volume notamment, limite, tu souris plus, tu rigoles plus, que tu n'as un petit peu les jetons pour le héros, donc j'ai trouvé ça assez rigolo, mais on y reviendra juste après. Je vais revenir avec toi, Timothée, parce que du coup, vous avez donc du coup la continuité maintenant aujourd'hui de Yusei Matsui chez vous. Comment vous l'avez repéré? Est-ce que ça a été assez rapide de votre côté, l'envie de récupérer justement Assassination Classroom? Parce que justement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées à l'instant, est-ce que c'est quelque chose qui vous a dit, ok, ça rentre complètement dans notre ligne édito, on va essayer de pouvoir enchaîner sur ce genre de choses-là? Et du coup, juste par la suite, continuer en fait de proposer l'œuvre de Matsui en France. C'est Yves et Christelle qui l'ont repéré à l'époque, parce que voilà, ils commençaient à faire parler de lui dans le magazine. Mm-hmm. Donc très vite, ils sont positionnés dessus, sachant que il y avait évidemment Glénat. Bien sûr. Qui avait été l'éditeur des séries précédentes, donc tu pars pas en position de force dans ces cas-là. Et ils se sont vraiment dit, il faut qu'on ait cette série, il faut qu'on la chope, et parce qu'en plus, le jump, l'édito de la Shueisha avait l'air d'y croire beaucoup, on sentait qu'ils étaient derrière cette série-là, et voilà, ça présageait que du bon, donc fallait pas passer à côté. Ouais, c'est intéressant de voir, parce que justement, la publication se fait assez rapidement entre le Japon et la France, puisqu'il y a qu'un an d'écart. C'est vraiment... On est sur quoi? Parce qu'en gros, c'est quoi? C'est 3-4 volumes par an maximum. Donc du coup, c'est... Ouais, t'as eu 3 volumes qui sont sortis. Directement, vous avez sorti le manga. On est sur quand même une offre assez rapide. Est-ce que toi tu te rappelles un petit peu justement comment ça s'était passé? Justement, est-ce que Glénat s'était positionné aussi dessus ou... Alors, on n'a jamais les infos de qui en face s'est positionné ou pas, et qu'est-ce qui a fait la différence entre notre proposition et celle des concurrents. Donc, on imagine que Glénat s'était positionné dessus, sans doute d'autres éditeurs également. Un an, ça reste.
Grosso modo, la norme. Ouais. En tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, c'est... ça peut aller plus vite. Déjà, en vrai, c'est assez rapide quand même. Mais juste oui. Un an quand tu y penses. Parce que du coup, t'as quoi ? T'as un an pour traduire 3 volumes, pour faire les finitions, pour faire. C'est court, cool, entre guillemets. Quoi. Oui, et puis il y avait une attente aussi du public francophone. Mm. Parce que, bah, voilà, l'Internet avait énormément, s'était développé, donc il y avait beaucoup plus d'infos qui circulaient sur ce qui se passait au Japon, ce qu'ils avaient envie de lire, etc. Et donc, là, ça a été effectivement un des objectifs de le sortir le plus tôt possible, et en tout cas, de répondre à cette attente. Et du coup, alors qu'il va sortir en octobre, dès Japan Expo, on sort un booklet, le stand est mis aux couleurs d'Assassination Classroom. Okay. Il arrive donc encore c'est un peu vraiment, de patience. Ça a été une grosse, grosse prise de risque, entre guillemets, parce que vous étiez en mode, ok, on y croit tellement qu'on réussit à brander quand même notre stand 4 mois quasiment à l'avance pour la sortie. Et en vrai, ça a été quand même un véritable succès par la suite, puisque c'est plus de 3 millions de ventes pour Assassin's Creed Classroom. Et il est toujours dans notre top 5 des séries qui se vendent le plus chez Kana. Okay. Donc vraiment un gros. Donc même gros maintenant, quasiment 10 ans après le début de l'apparition, ça continue vraiment de faire vendre. On a justement. C'est un auteur que du coup vous avez très bien suivi. Il y a eu beaucoup d'OP marketing dessus, des goodies comme on voit notamment sur la table qu'il y avait eu au niveau de Japan Expo. On a notamment aussi les tomes à 3 euros. Ça, c'est quand même un sacré coup à chaque fois. C'était combien de volumes ? C'était que le tome 1 pour. Oui, c'est que le tome 1 parce que c'est une série plus courte. Ouais. Donc voilà, c'est la consigne. On ne peut pas en mettre trop à. Mm-hmm. Après casser. Découverte. Ouais, bien sûr. Et alors, du coup, il y a eu effectivement l'animé qui est arrivé juste après. Mm-hmm. Du coup, comment tu imbriques ce truc-là ? Parce que tu sais que donc l'animé il arrive assez rapidement. T'as la série qui commence à cartonner en France. Comment tu capitalises justement sur l'arrivée de l'animé pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui aille encore plus loin en termes de vente et de puissance sur le marché francophone ? T'avais plusieurs acteurs et plusieurs indicateurs. Tu as en effet Internet où on avait beaucoup d'informations dessus. Mm-hmm. Tu avais aussi, nous, quand on négociait une série à l'époque, il fallait qu'elle soit pas seulement. En fait, quand on la prenait, il fallait la franciser, il fallait la localiser. Mm. Donc, forcément, on allait voir des chaînes télé, on proposait le projet en disant attends, voilà, on a la possibilité de récupérer cette série-là. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? On avait J1 à l'époque, qui était notre partenaire donc sur ADN et sur Citel Canal Vidéo. Ensemble. Et du coup, ça proposait en J+1 ? Et ça proposait en J+1. Mmh. Donc, tu avais pas mal de choses qui rentraient dans le choix qu'on allait faire sur cette série-là. Et le premier souci, et je parle d'un souci parce que, en effet, avec les lois françaises, avec pas mal de choses qui rentrent en compte, bah, montrer des armes dans un dessin animé, le premier key visual, ce qu'on appelle le key visual ou key art, c'est-à-dire l'image qui correspond à la série en elle-même. La première image qu'on va vous montrer, le poster promo, la première image vraiment dessinée, bah, c'était un nombre incalculable d'armes qui étaient dirigées vers un poulpe. Donc la première chose, c'est en effet déjà la première chose, c'est que ce n'est pas, heureusement, ce n'est pas un humain qui est visé. Donc déjà, là, tu marches sur des œufs, tu fais attention, tu fais comme tu le sens. Et c'est vrai que proposer un titre comme ça avec des personnages qui sont des étudiants, et pas des personnes mineures avec des armes, là, c'était un peu compliqué à mettre en place. Bien sûr. Mais après, en fait, le bouche à oreille fait que tout le monde savait à peu près que c'était un bon titre Jump, qu'il se vendait bien, que tout allait bien. Tout s'accordait. On n'a pas eu trop de soucis, ne serait-ce que soit le récupérer, soit le mettre en place. Ouais. Et en effet, il y a eu des studios de doublage ou des voix qui sont venues pour dire, voilà, j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien... participer à telle ou telle chose sur la série qui en fait a découlé d'elle-même. C'était pas un succès annoncé, mais c'était une très bonne série. Oui, il y avait un gros potentiel. Ouais. Du coup, plus facile, du coup, j'imagine, de récupérer la licence une fois que la licence est déjà entre guillemets dans le groupe. Avec Kana, on a marché de pair souvent. Ouais. On a vraiment démarré. Alors, bien sûr, Naruto, c'était l'un des premiers titres. Évidemment. Chez Kana Home Video, qui est
qui n'est pas rattaché directement à Kana, qui est une entreprise sœur. Qui est une autre entreprise, voilà, bien sûr. Une bien autre sûr. Entreprise. Mais c'est justement, c'est pour ça que je pose la question, parce que je pense que les gens ne sont pas forcément au courant que justement, ce n'est pas la même voilà, boîte. Voilà, Kana, comme ils disent, Kana Video, c'est Kana Home Video qui vient de Citel. Citel, c'est cinéma de télévision, qui était une boîte, un éditeur vidéo à part entière. Qui était massif hein, pour l'époque. Qui est toujours, ouais, qui Astérix, est toujours ouais. On a fait les Tintins, voilà, c'est de la tradie. Et en 2006, quand Mimicra on a sorti... aussi. Je te laisse, je crois pas les avoir vus dans les archives. Dans ça, les stocks, c'est un truc bien à l'ancienne, je peux t'assurer c'est bien, que c'est pour toi, je te le donne. Si j'en trouve, je te les rapporte. Vraiment pas. Il y a les histoires du père Castor. Là, par contre, ah, voilà, il y en a plein. Il y a les Black, du Black et Mortimer, etc. Oh, Black et Mortimer, c'est pas Mais donc, à partir de là, en 2006, avec Naruto, 2005-2006, avec Naruto, vraiment, ça a changé la donne. Et le label Kana Home Video a pris place. Mm-hmm. On a commencé à travailler avec Kana, mais on a aussi vu que en effet, l'acquisition de vidéo, c'est très cher. Bien le sûr. Le doublage, c'est très cher. Et c'est un élément marketing promotionnel du manga. Un dessin animé fait vendre du manga. Il n'y a pas d'autre, d'autre chose. Et donc, de toute façon, c'est même pensé comme ça de base au Japon. Oui, c'est fait c'est pour. L'animé. Le comité est rempli de personnes bien sûr. Pour que ça vende. Il y a trop, il y a beaucoup trop de gens qui ne pensent que c'est d'ailleurs complètement, enfin l'inverse, que le manga va promouvoir l'animé en fait. Genre non. Le but c'est de promouvoir les tout ventes physiques. C'est du ventre du manga. Et donc il y a eu Naruto et on a eu d'autres titres. On a du One Piece, on a du Fairy Tail. Donc ça c'est d'autres éditeurs avec lesquels on travaille aussi, mais on a eu une vraie synergie et c'est tout à fait normal, même à partir de Black Butler où ça a commencé à démarrer entre les mangas et l'animé où ça il y a eu vraiment des vrais échanges quoi. On en a besoin. Et de toute façon, mais sur le tome 9 de Assassination Classroom, ouais. On sort un coffret avec le tome 9 plus le premier épisode sur l'animé, un DVD à part. Ça on peut le faire que ça c'est vraiment cool voilà, ça, ouais, parce qu'on voilà. Est dans le même groupe et qu'on arrive à se coordonner suffisamment tôt parce que la difficulté elle est là c'est pas du tout les mêmes plannings côté manga papier ouais. et côté animation donc réussir à faire que les choses coïncident au bon moment c'est à chaque fois je vois très bien le propos avec des ayants droit complètement parfois différents c'est pas les mêmes canaux non plus donc il faut qu'eux aussi soient bien au courant qu'on se parle entre nous et qu'on ne fasse pas ça évidemment. Et c'est ça qui facilite en effet qu'on ait pu avoir Assassination Classroom et tout ce qui s'en suivra mais c'est l'un des titres parmi tant d'autres où on a réussi à être de pair heureusement dans la famille Kana. Ouais, bah très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions parce que je trouve que c'était intéressant d'apporter un petit peu plus de contexte là-dessus. Mon très cher Shedley, moi je vais te poser une question parce que du coup, on a parlé un petit peu du Yusei Matsui, de ses thèmes et de ce genre de choses-là. Bon, Elusive Samurai, il n'est pas du tout sur le point de se conclure ou ce genre de choses-là, mais je suis quand même curieux de savoir un petit peu vers quoi tu voudrais qu'il se dirige sur la suite. Eh bien, j'aimerais être surpris encore plus. Ouais. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'indications sur ce qui va se passer dans l'avenir de l'œuvre ou autre. Mm-hmm. Ça va être très difficile de prédire une fin. C'est pour ça que j'attends les fameuses théories, hein, forcément. Sachant qu'il y a un animé qui arrive et tout, donc c'est un peu complexe. En plus, quoi. Ça va être super cool. Mais c'est vrai que derrière, est-ce qu'on va avoir une grosse ellipse où on va retrouver peut-être une version adulte de notre protagoniste? Est-ce qu'on va avoir des morts? Même si, bon, c'est déjà assez j'allais joué. Dire, au niveau bon postulat, on rappelle quand même, hein, c'est toute une dynastie qui est fumée. Ça non, va quand moi, même. Je te parle au niveau des protagonistes. Ouais, bien sûr, évidemment, au niveau des protagonistes. Ouais. Bah, avec qui on va avoir triste, parce que c'est chez Classroom, c'était pas forcément que du plaisir. Hein, à un moment donné, il fallait être... Enfin, c'est du plaisir émotionnel, quoi. Ouais. À un moment donné, c'est assez émouvant. Est-ce qu'on va retrouver cette même dynamique pour l'œuvre? Ouais. Est-ce que ce sera mid-term? Est-ce que ce sera à la fin de l'œuvre? Donc, très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer, ce que Sensei Matsui va nous proposer. Mais en tout cas, très, très, très surpris déjà par ce que nous propose l'œuvre et hâte de voir ce que va nous proposer la suite. Dis-moi, Timothée, toi, ce que tu aimerais voir, est-ce que tu as envie qu'il aille dans quelque chose de peut-être plus dramatique? Parce qu'en vrai, mine de rien, il le gère bien, son drame. Mais toi, est-ce que c'est plus peut-être full comédie que tu aimerais voir? Pas forcément. Il le ferait certainement très bien. J'imagine une comédie romantique, il ferait ça, à mon avis, sans trop de problèmes. Mais pour te rejoindre sur le côté envie d'être surpris, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il serait capable de faire en mode seinen, en série plus,
plus noir, plus adulte. Est-ce que là, il ne serait pas aussi capable de nous proposer des choses auxquelles on ne s'attend pas, quoi. Ouais. Sur du seinen, c'est vrai que ça serait intéressant, pour le coup, on ne va pas se mentir. Et toi, Pascal ? Moi, je suis qu'au premier tome, donc je recommence petit à petit à me remettre à ses œuvres, parce qu'il y a pléthorique de mangas, et je dois faire des choix, malheureusement. Mais pour avoir une comparaison avec l'œuvre d'avant, et comme je l'ai poncé, et qu'en animé, on a été très très loin, c'est vrai que le baromètre des émotions entre l'humour, le sordide, je vais remettre en avant une histoire moi, qui m'avait beaucoup plu à l'intérieur d'Assassination Classroom, et vous me direz s'il y a peut-être le pendant dans Elusive, mais moi, l'histoire de Nagisa, où en fait, c'est un des protagonistes, en fait, il y a un triptyque. Ouais. On a Koro-sensei, on a Nagisa et on a Karma. Tout à fait. Et Nagisa, je l'ai trouvé tellement humain. En fait, je vais reprendre en fait un peu tout ce que vous avez dit. C'est de l'humanité. Parce qu'on est tous remplis d'un peu d'humour, d'un peu d'une part noire, d'un peu de vengeance, de choses qui ne nous plaisent pas forcément dans la vie, et de bonté et de réflexion et de sens commun qu'on a de tradition, d'éducation, etc. Donc c'est très humain. Et là, le côté humain de Nagisa poussé dans un... jusqu'au moment où ça va clasher et qui se dit bon, voilà le shonen du pur personnage ado qui se change et qui devient petit à petit adulte, où il se dit ben non mais finalement maintenant je vais penser à moi, je me coupe les cheveux, je me coupe pas les cheveux, je ressemble à une fille, je ressemble à un garçon, qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir. C'est tellement actuel que transposer ça tu vois dans une période féodale japonaise, avec toutes les contraintes qu'il y a, il y a tellement de titres de films sur cette période-là que je pense que l'inspiration, il l'a de lui-même. Je me dis que qu'est-ce qu'il pourrait faire plus tard ou qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, je pense qu'il peut se débrouiller dans n'importe quel titre. C'est une réponse bateau, mais si moi j'avais une envie, il m'a fait pleurer sur les derniers épisodes et sur les derniers mangas avec la classe. En même temps, quand tu suis depuis longtemps et que tu arrives à la fin, on va pas se mentir que voilà, c'est un peu poignant quand même. Voilà, tu en claques et au revoir monsieur le professeur pour les plus vieux, et de se dire oh, ça y est, c'est la fin. Et qui le... Alors, ok, bon, on peut pas penser à plein de choses dans le futur, mais finalement... Je trouve que c'est l'un des rares mangas qui finit proprement pour un mangaka japonais. Et puis même dans le Jump. Hein. Voilà, et qui finit proprement sans... Parce que bon... Voilà, on en connaît plein des auteurs. Un voilà, vrai ouais. souci au niveau des mangas, c'est quand même bien la fin. Quoi. Donc, voilà, c'est souvent... Ouais, voilà, et là, il finit... Il nous cueille, alors qu'on sait très bien, alors qu'on sait où est-ce qu'il nous emmène. Mais... Il arrive, il nous prend, il fait... Mais Viens quand même avec moi. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il a réussi à nous dire quelque chose qu'on connaît depuis la première page. Bien sûr. Et pourtant... Et il le finit bien. Il arrive à te surprendre, à être en mode... Ah ouais. Je le savais. Manga ou pas manga, c'est dur de faire une fin. Oui, oui, mais à partir du moment où en fait, tu commences par ta fin, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Oui. On sait où tu vas. Bien sûr. Il y a juste à bien embellir en fait le passage. Mais par contre, comme tu dis, si t'as une belle fin, le souci avec ça, c'est que c'est facilement spoilable. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour Assassin's Creed Classroom. Ouais. C'est très facile de spoiler une fin qui est bonne, alors qu'une fin mitigée... Ça va beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ça va dans tous les sens, pour ne pas citer d'œuvre. J'en ai marre de la citer. Mais voilà, il y a une fin qui m'a déçu. Mais forcément, voilà, quand c'est unanime en tout cas, ouais, c'est plus facilement spoilable finalement. Ouais, il termine bien et puis voilà. Bon, il est. Coup, il nous emmène fort. Là où il veut. Oui, de façon, visiblement, bon, il a l'air d'être plutôt solide. Bon, cette première partie est terminée. On a pu parler un petit peu de Yusei Matsui et même d'ailleurs un peu trop d'Assassination Classroom, mais on en reparlera dans quelques instants, vous inquiétez pas. Il y a un petit concours, évidemment, un concours pour gagner les DVD Assassination Classroom. N'hésitez pas à bombarder dans le chat, vous avez juste à écrire Yusei. Yusei. Pour participer, vous avez une minute. Let's go. Vous avez le DVD qui est juste là. Il y en a plusieurs. Hein, mais qui est juste là, ici. Voilà. Koro-sensei Quest. Qui est donc, du coup, l'édition un peu collector, entre guillemets. On a en DVD et en Blu-ray.
En DVD Blu-ray, incroyable. On a le DVD ou le Blu-ray. Ah, le DVD ou le Blu-ray qui sont juste derrière, d'ailleurs. Exactement. On les voit juste derrière, le film jour moins 365. Donc vous pouvez y aller dans le chat. Évidemment, notre très cher grand démon va réussir à vous tirer au sort dans quelques instants. Ça fait toujours plaisir de vous régaler avec des petits cadeaux pendant les lives. Cana, vous le savez, on a un petit peu instauré cela et vous êtes réceptifs, donc ça fait bien plaisir. Et très content de voir évidemment le chat bombardé comme Jaja. C'est ça qu'on veut. On va pouvoir passer à la deuxième partie. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet concernant justement Assassination Classroom ou encore As Class pour les intimes. Et ensuite, nous partirons sur Elusive Samurai pour comprendre un petit peu plus eh bien, ce qu'il y a dans ce petit manga, parce qu'il y a quand même des choses à dire vraiment là-dessus. Mais avant tout, un petit trailer pour ce manga. C'est parti. C'est marrant, on parlait justement de la Japan Expo et de ce qui s'était passé. C'était probablement un trailer qui était diffusé lors de la Japan pour la première fois, j'imagine bien, puisqu'on voit les dates d'octobre 2013. C'est marrant parce que du coup, tu réagissais un petit peu sur le trailer, mais effectivement, on sent quand même qu'il y a 10 ans et que maintenant, les trailers sont un peu plus dynamiques, un petit peu plus chauds quand même. On nous demande, on nous demande des trailers plus courts aujourd'hui. On sait que les gens ont tendance à zapper très vite, et donc il faut Réussir à être accrocheur dès les trois premières secondes, évidemment. C'est ça. Monsieur Chedi pourrait nous le dire de manière... On a fait le choix. Alors justement, je pense qu'on a suffisamment parlé de la série de Assassination Classroom. Il n'y a pas vraiment besoin de vous refaire le pitch. Vous savez qu'Oro-sensei menace la planète. Une classe va être mise en place pour l'assassiner. Point à la ligne. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus simple comme résumé à faire sur le manga. On a eu également un petit peu tout votre avis concernant ce manga. Du coup, on va pouvoir passer directement à ce qui a fait son succès. On en a évidemment parlé, mais il y a eu l'animé. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'impact réel qu'a eu l'animé aussi bien au Japon qu'en France? Parce que c'est quand même une grosse série qui a été très suivie. Et je sais même que, de source sûre, c'est un animé qui a été pour beaucoup leur premier animé vu. Oui. Oui, alors il y a en effet, alors en France avec G1, encore une fois, G1 ADN, ça a été un titre qui a bien marché, et il ne faut pas se leurrer, grâce au manga, grâce à tout ce qu'a fait Kana auparavant, avec les Japan Expo. Bien sûr. Ça a été un des facteurs, un des marqueurs du début du succès. La série en elle-même, c'est quoi? C'est deux saisons. Première saison, 22 épisodes, deuxième saison, 25 épisodes. Un film et Kurosensei Quest, qui est un spin-off, on en parlera un peu plus tard, jeu vidéo. Le déroulé, en fait, de l'animé va vraiment suivre le manga. Il y a très peu de fillers. L'action, elle est très centrée, elle est très ciblée. On a des points d'humour, on a donc beaucoup de, d'armes, alors les kalaches, les couteaux, les trucs dans tous les sens. Mais il y a un twist. Parce que c'est pas des vrais. C'est pas. Oui, mais. Parce que c'est des armes faites exprès pour tuer. Mais du coup. Ça change quand même toute la dynamique. C'est que du coup, quand tu tires sur ton pote, ça te fait rien. Mais il se tire jamais dessus. Oui, mais. Tu le verras. Il se tire jamais heureusement qu'il se tire pas dessus, du coup. Non, parce que ça sert à rien. Justement. Mais en tout cas, cet aspect d'armes et de shonen a été vraiment. Mis à part, et heureusement, par rapport aux jeunes gens qui utilisaient ce type d'armes, et même si c'est factice ou peu importe. Et
Et en effet, ça a touché une vraie... Là, on reparle encore une fois d'humanité. Ça a touché les personnes en tant que telles, c'est-à-dire le choix de l'arme que le personnage voulait utiliser contre Koro, bah, il était vraiment habilité à... voilà, un mec qui est un peu plus bourrin, il allait prendre une calache, alors que Nagisa, il aura peut-être un couteau ou une façon un peu plus subtile. Donc c'est vraiment une différenciation et un ton juste. Après, ça a été un ton juste, c'est-à-dire chaque personnage était bien dosé. Et en français, quand on l'a commencé à le doubler et qu'on l'a diffusé après sur G1, Game One et les autres chaînes qui ont récupéré, et Amazon aussi... Entre autres, a fait un bon succès, on en est très très content. Fait que, en fait, par rapport à tout ce qu'on y a mis comme éditorial, comme oui, il y a un vrai investissement pur. Voilà, qui décidait de se dire, tel doublage vaut mieux que tel doublage, tel personnage. On a essayé de changer un peu les voix, on a essayé d'améliorer un peu tout ça, et puis d'adapter des termes. Encore une fois, l'adaptation et le doublage français, il ne faut pas oublier qu'on ne cherche pas à forcément en français à être collé à la traduction parce qu'on l'adapte justement. Mmh. Et là, on avait fait Irina Pufanovic. Alors celle-là, pour moi, c'est le summum. En japonais, c'est Jelavich, si tu le prononces vraiment. Mais en japonais, quand tu le prononces à la façon japonaise, c'est Jelabichi. Mais Bichi, c'est pouf. Donc, on a réussi à retrouver. Donc, c'est que des... Tu vois, ces petites anecdotes-là, c'est des tons qu'on a mis en place. En vrai, il y a tellement de trucs, justement, sur l'international, avec des mots qui se retrouvent être des dingueries en français. Et toi, t'es là, t'es en mode, mais on peut pas le dire ça, c'est impossible. Et Poufudovic, tu vois, bref, il y en a tellement. Mais c'était à la fois un classique, vraiment Shonen Jump, et à la fois une humanité un peu différenciante, et je pense que en tout cas la cible ado-adulte s'est retrouvée forcément dans un des personnages de l'école. Un bully, un... Déjà Koro, ce personnage, ce professeur, c'est le prof dont on rêve d'avoir. Il y en a peut-être un ou deux dans notre scolarité qui vont nous marquer comme ça, qui vont savoir être suffisamment à l'écoute et comprendre l'élève pour l'aider à révéler son potentiel et pas juste lui mettre des zéros, mais le faire progresser. C'est le kiff total, un prof comme ça, qui te donne envie d'apprendre et qui t'écoute. Il arrive, et c'est là où je te rejoins sur l'humanité, il arrive à faire passer ça dans ce personnage qui a pourtant une allure de poulpe géant qui ressemble à rien. Après, il te dit tout de suite en japonais. On a eu du mal, je vous avoue, le fait de traduire, de dire professeur Koro ou des choses comme ça, on n'avait pas de traduction littérale propre. Parce que Koro-sen, c'est Koro-sena, et c'est. Littéralement, c'est tu ne peux pas me tuer. Koro-su, c'est tuer. Et son nom, c'est Koro-sen. C'est sensei, mais c'est donc le jeu de mots, c'est tu ne peux pas. C'est tu auras beau essayer, tu ne peux pas. Donc déjà, lui, dans ses écritures scénaristiques, il avait déjà prévu. Nagisa, c'est pareil. Nagisa, c'est un nom à la fois féminin et masculin. Donc déjà, il te perd. Karma, c'est le karma. Donc karma, au début, il fait des dingueries et il voit que ça ne mène à rien. Et dès qu'il commence à être gentil ou dès qu'il commence à rentrer dans un autre système de pensée, son karma, c'est son karma, il change. S'inverse. Tu vois, et ça crée toute autre chose. Ouais. Et alors que c'est l'un des plus forts. Et puis, dans l'histoire, même dans la saison 2, mais dans la saison 1, avec le directeur de l'école qui a une vision remplie, tordue de l'école avec son fils qui fait partie des 5 meilleurs. Qui est un pur produit de l'école et qui te le fait bien comprendre. Bien sûr. C'est vraiment très archétypé. Qui a écarté les mauvais en disant les mauvais, j'en veux pas. Ouais. Donc, je pense... Alors, au Japon, ça a marché parce que chacun s'est retrouvé. Chacun s'est retrouvé au Japon. Et en France aussi, peut-être. Tu vois, grâce, et j'espère, à notre traduction, au fait de ce qu'on y a mis en français, qui fait que, je pense, a réussi à capter. Mm-hmm. En tout cas, éditorialement, ça s'explique bien et ça suit son cours. Et puis, c'est un vrai drama. C'est pas un dessin animé qui te prend pour un bébé.
voilà, c'est très bien placé et ça te place, ouais. ça te met au cœur de l'école, au cœur de la classe. Et pour ceux qui sont un peu plus vieux, bah, ils se retrouvent. Et ceux qui sont un peu plus jeunes, ils disent « j'aimerais bien être dans cette classe-là ouais. ». Toi, Shelly, justement, je suis curieux, parce qu'on reviendra après sur le côté éditorial manga avec Timothée juste après, mais moi, je suis curieux d'avoir ton point de vue en tant que pur viewer, justement, de ce produit-là. Parce que là, on a eu le côté de Pascal, qui a des anecdotes qui carrément de production et ce genre de choses-là, ouais. Mais toi, comment t'as vécu la découverte d'Assassination Classroom, est-ce que justement, tu as un peu ressenti tous ces trucs que Pascal a pu énoncer? Complètement. En fait, Assassination Classroom, ça arrive à un moment où il y a cette nouvelle vague de manga qui arrive et d'animé aussi en parallèle. Donc un truc avec des grands colosses, un truc avec des petits cochons. Donc c'est vrai que ça arrive à ce moment-là. Et Assassination Classroom, ça entre pile poil dans ça, en fait. Ça arrive à un moment où on propose de l'innovation. Et on est complètement perdu, nous, en tant que fans de shonen, en tant que fans aussi de seinen. Finalement, on est quasiment entre les deux. Donc un truc, comme tu l'as dit, il y a des armes, etc. Donc tu n'avais jamais vu ça auparavant. Tu voyais ça peut-être dans les seinen, justement, ou dans les trucs bien violents. Hein. Et là, tu arrives, bon, c'est des enfants, ils sont armés, ils se tapent contre le prof, et ça part dans tous les sens. Donc moi, je trouve que ça s'est super bien inscrit dans cette continuité de produits innovants. Et c'est vrai que, comme je le dis, hein, y a eu plusieurs phases dans le manga. Tu as eu la phase Club Dorothée, qu'on connaît très bien. Tu as eu la phase Naruto, qui a apporté une nouvelle phase, qui a présenté de nouveaux objets, etc. Et puis, tu as eu cette phase-là. Et Assassination Classroom, en fait, c'est pile poil ce qui intégrait finalement cette nouvelle génération de mangas et d'animés. Et donc, on va le comparer aujourd'hui à. On ne peut pas le comparer justement aux autres œuvres. Ouais. C'est vraiment une œuvre à part entière qui s'inspire des codes qu'on connaît, mais qui vient en apporter de nouveaux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la beauté de ce manga. Même au niveau des couvertures, c'est vrai que moi. De base, la façon dont j'ai découvert Asclass, c'est que j'ai vu directement les pochettes, en fait les jaquettes. Et c'est celle-ci, hein. C'est vraiment la jaune, là je suis tombé par hasard dessus. Et je ne m'attendais pas à ce que avec ce soit... Avec ce grand sourire, ouais, c'est ça, tu t'y attends pas du tout, non mais je suis d'accord. Ouais. Tu vois, tu as des tendances au niveau des jaquettes, tu as souvent les mêmes choses que tu retrouves, il y a des codes hein, forcément. Aujourd'hui, tu as la même chose au niveau des posters de films, etc. Donc, et là, tu tombes sur juste un grand sourire, une grande tête. Donc, tu sais, et en fait, le sourire, il n'est pas si gentil que ça. Mais en même temps, ça fait très smiley. Donc, ça rend le truc hyper joyeux. C'est la couleur jaune en même temps. C'est celle de la gaieté. C'est celle de la gaieté, ouais. Et au final, tu ouvres les premières pages et tu vois que bah, ça se bagarre direct. Tu n'as pas du tout. Tu n'es pas du tout dans la. Tu sais, la couverture n'est pas dans. Elle est très trompeuse. C'est le manga qui n'a pas la bonne couverture, au final. Et en fait, tout ça, ça te rend super curieux. T'as les nouveaux qui sont arrivés ensuite et tu vois que c'est toujours la même tendance du sourire avec une autre couleur, une autre facette de l'émotion, d'autres jouets hein, finalement. Et c'est ça qui fait que tu t'es jamais ennuyé en lisant Assassination Classroom. Ouais, t'es toujours surpris quoi. C'est vraiment un truc qui ça reviendra évidemment hein, comme ça. On va évidemment en parler avec toi un petit peu Timothée parce que du coup forcément fort d'un succès au niveau de l'animation. Bah, ça se passe bien, les ventes se déroulent bien en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du succès du manga qu'a eu Assassination Classroom en France? Parce que tu as parlé carrément de ce fameux stand à Japan Expo brandé Assassination Classroom pour le promouvoir et dire qu'il arrivait. Est-ce que derrière, vous avez eu vraiment ce retour entre guillemets sur investissement avec Assassination Classroom? Oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un manga, une série qui s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires, c'est juste énorme. Il est dans notre top 5 des séries qui se vendent le plus chez Kana. Ce qui est énorme. Et bah, voilà, dans le catalogue Kana, il y a des gros concurrents. Donc pour être dans le top 5, il faut vraiment avoir sorti son épingle du jeu. C'est ce que cette série a fait. Alors évidemment, nous, on a continué de la travailler. On a fait les opérations marketing dont tu parlais, où on a passé le tome 1 à 3 euros. Il y a tellement de titres aujourd'hui qui sortent que les anciennes, les séries, quand elles sont finies, c'est comment tu fais en sorte de les... Comment tu fais vivre ton bas de catalogue? De les maintenir, de continuer de parler d'elles. Donc ça va passer soit par des opérations marketing, soit... qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un calendrier aussi sur base d'un visuel de l'animé. Puis, bah, par exemple, les agendas. Donc là, cette année, il y a encore un agenda Assassination Classroom qui débarque là le 16 juin prochain.
Il est cool en vrai. Et voilà, c'est toujours l'occasion de, voilà, de refaire parler d'une, d'une série de qui est un visuel qui soit de nouveau sur les tables et qui parle au lecteur. Et c'est vrai qu'avec Assassination Classroom, avec ce sourire, avec cette tête de Koro, bah, y a moyen de s'amuser. C'est pas pour rien qu'on avait la tête de Koro suspendue au-dessus du stand à Japan Expo. Ça s'arrête jamais, hein. Non, bah non, de toute façon, une fois que t'as la série, t'es obligé de la maintenir en vie et de faire en sorte que ce soit évidemment important, quoi. T'as la fanbase continue. Mm-hmm. Bah, ils redécouvrent, mais nous, on s'en aperçoit tout le temps. Le puzzle qu'on va sortir, il n'a pas été issu. On se dit, ouais, on va peut-être en faire, hein, pourquoi pas. Non, on sait que ça arrive. On a des figurines qui continuent de sortir, on a plein de choses qui arrivent. On en parle. Je sais, t'inquiète pas, mais elle repart avec moi. Alors. Non. Si. Non. D'accord. C'est bien, ça. J'adore. C'est comme ça, au moins, c'est fait. Voilà, tu vois, voilà, on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus, mais il ne partira pas avec quand même, on en a qu'une. Mais vous ressortir. Non, ce que. T'es pas, vous n'êtes pas ensemble. Là, on va. Enfin, moi, je complète. C'est l'évolution, en fait. Quand tu parlais qu'il rentrait directement dans un créneau qu'on n'avait pas, bien sûr, c'est l'évolution du manga. 70, tu avais les vieux de la vieille qui arrivent avec tout ce qui est un peu sport, un peu robot, un peu mastoc. Un peu. Beaucoup. Le robot voilà. Années 80, tu es dans du junkie où les gens essayent des choses, que ce soit Cobra ou que ce soit... des chevaliers du Zodiac, tout ce bazar. Bref, t'en as plein. 90 où ça commence à être la maturation, où tu vois Dragon Ball, Slam Dunk. Voilà. Donc tu vois, ça avance. Et à partir de 2000, bah, là, t'as d'autres titres avec donc, bien sûr Naruto, One Piece, Hunter. ouais, en 90, t'avais Yu aussi. Bon, bref, t'as pas mal de titres. 2010, 2008, 2009, 2010, ça commence à s'essouffler en fait. Mmh. Je pense qu'il y a eu un essoufflement des titres qu'on avait l'habitude de regarder. Ouais, et puis de toute façon, on le sait, même il y a eu un truc en France. Un changement de génération aussi. Toute une génération de lecteurs qui, ouais. Voilà, ont mangé de la qui meurt, il hein, faut le dire. C'est normal. Hein. Qui passe à autre chose. Et il faut attendre qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive, qui ne va pas tout de suite. Qui ne va pas arriver à accrocher tout de suite. Il faut trouver de nouvelles séries. Il y a eu justement à ce moment-là une baisse de vente de manga. Sur la fin des années 2000, on a eu un creux avant que ça reparte justement un peu fort. Sur Naruto. Non, mais je te parle pas de Naruto, je te parle de vente au global. C'est un ralentissement, mais le manga a toujours été en croissance. Ouais. Oui. C'est ça qui est. 2007, 2008, 2009, quand nous on a sorti les DVD, Kana vendait un Naruto toutes les 17 secondes. Ouais. Okay. Donc on remet la base. Un Naruto toutes les 17 secondes. Voilà, on remet la base. Non, en vrai, c'est assez incroyable. Quand c'est même, vrai. C'est un truc. Mais donc c'est peut-être au niveau. En fait, nous on rattrapait. Donc je pense que c'est pour ça qu'on le voyait pas. Tu vois le ralentissement et pourquoi ça se fait. Parce que nous on récupérait. Nous on récupérait tout ce qu'on avait besoin de récupérer. Le ralentissement, il est aussi. Il était spirituel pour nous en fait au final parce qu'on avait nous il nous fallait cette innovation dont on parlait tout à l'heure. On n'avait pas tu l'as dit, il y a des grosses marques sur lesquelles on s'appuie. La période 7CA, Dragon Ball, la période Goldorak, celle-ci, celle-là. Et puis au final où est-ce qu'on se situe entre Naruto et SNK? Où est-ce qu'on se situe là? La nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle est arrivée. Là, celle qui veut pas les mangas de papa, les mangas de papa, tu vois. Au Japon, tu vois, c'est ça aussi. Mm-hmm. Hein, c'est comme ça aussi que ça se met en place. Et Black Butler aussi, à un moment donné, je le rentre un peu dedans parce que Black Butler, il n'a pas été traité comme il a été traité au Japon. Ouais. Ah, pas du tout. Mm-hmm. On l'a traité un peu shonen. On l'a trop traité shonen alors que c'était même quelque chose qui n'était même pas dit, enfin, entre guillemets, destiné. Destiné au public féminin. Au public mixte. C'était un peu. C'était mixte, mais on l'a mis beaucoup plus mixte que par rapport au Japon. Et c'était pour moi, voilà. Et je l'associe parce que c'était à peu près dans les mêmes périodes où tu as réussi à trouver Asclass et Black Butler deux publics différents qui ont aimé, tu vois, un autre récit. Quelque chose de différent. En vrai, c'est cool de voir justement comment vous voyez
tout ce cosmos qu'il y a eu pendant, pendant quasiment 20 ans, là, il y a eu un... Enfin, ça a tellement été... Ça a été quand même... De quoi ? Non, en fait, je te mets dans beaucoup de vieux quand même. Non mais ça va, tu crois que moi je prends pas un coup de vieux quand on voit que le trailer il a 10 ans ? T'inquiète hein, on est tous dans le même, on est tous dans la même galère. C'est vrai, je t'avoue que t'inquiète pas. Ça fait déjà 10 ans, c'est vrai. T'en fais pas. Timothée, quand il m'a dit ouais une nouvelle génération, je suis là ouais c'est vrai, mais c'est dur là, c'est dur ce que tu me dis. Non mais c'est important, c'est important de remettre aussi dans le contexte parce que du coup, on se rend même plus forcément compte parce que le manga aujourd'hui fait tellement partie de nos vies entre guillemets que on se rend même plus compte d'où ça vient, de tout, de ce par quoi on est passé avant et que justement t'as eu des renouvellements. Bah de hype entre guillemets autour du manga à travers ce genre de manga comme As Class ou ce genre de choses là tu vois. Petit point justement puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais sur Koro Sensei Quest, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah du coup ce qu'est Koro Sensei Quest et surtout bah du coup pourquoi vous vous êtes dit vas-y on capitalise aussi là-dessus, on sait qu'il y a eu évidemment le succès de l'anime mais ça on sait que les spin-offs des fois c'est quand même un peu compliqué à vendre sur la fanbase. Bon ça n'a pas eu le succès de la série principale. Oh, bon alors en même temps... Bon et le problème c'est que je pense que des gens s'attendaient à en fait une petite série un peu plus qui complétait un peu les histoires des autres personnages alors qu'en fait je pense que c'est un délire de l'auteur et aussi très porté sur le jeu vidéo en tant que tel comme un RPG classique. En fait, Koro Sensei Quest, c'est un JRPG. Donc forcément, tu parles d'un JRPG à des joueurs, et là, ils voient tour par tour, et en fait, il a voulu parodier ça. Ouais. Et on a eu l'occasion de récupérer Koro Sensei Quest et le film aussi. Et 365, là, par contre, ça a été différent parce que là, il complétait et il finissait la série. Donc, c'est deux aspects différents qui ont pas eu le même public. Et Koro Sensei Quest est passé malheureusement un peu à côté. Alors qu'il est. Alors, niveau humour, il est magnifique. Il y a un des élèves qui est en galère, donc il a un travail à mi-temps. Et donc, tu remets tout ça dans un jeu vidéo, un JRPG. Donc, il s'achète. Il a réussi à s'acheter une armure, tout le monde est super fan, ouais, il va pouvoir aller se battre. C'est qu'en fait, il n'a pas gagné assez, donc il n'a que la moitié de l'armure, tout le reste, il est naked derrière. Et en fait, il n'est que de facing, donc c'est... Tu vois, il y a plein de petites histoires comme ça qui font que ça rajoute un peu de peps et que tu te rappelles quand tu joues à un JRPG qu'il se peut que tu vas acquérir qu'un seul accessoire par rapport à un autre. Mais il est peut-être aussi un peu entre deux eaux ou avec un design qui tire vers un public plus jeune, plus kawaii, plus SD, et en même temps avec des refs de jeux vidéo de plus grands. Et donc, c'est ça. Voilà, c'est là où c'est compliqué de s'adresser aux deux publics en même temps. Ouais. Et c'est peut-être ça qui voilà, c'est un SD. Qui fonctionne un peu moins bien. Ah, c'est un SD, ça c'est sûr. Il y a parfois un peu de pixel art, tu vois, un peu dans l'anime. Ouais, ils sont allés à fond dans les refs en tout cas. Quoi. Oui. C'est vraiment. Ouais, c'est dans les refs. Alors que, le film, là carrément. L'orchestration, la musique, la composition est magnifique. Ouais, et puis même, il y a eu un re-up quand même au niveau animation, on va pas se mentir. Et le fait, encore une fois, de faire revenir deux écoliers, deux anciens étudiants dans leur école d'avant, de se rappeler de triche, je vais te refaire une saucée. Tu dis non, mais il va pas nous reparler encore de ça. On l'a vu, tu veux mettre en accéléré, puis tu t'aperçois que t'as pas appuyé et que tu restes devant, tu fais ah ouais, c'est vrai quand même. Et là, il te recueille encore une fois, il te remet des trucs. Tu fais bon, et t'es resté, et à la fin tu pleures encore une fois, tu lâches ta larmichette parce que il t'a très bien. Parce qu'évidemment, il est très fort. Il est très fort. Toi, tu connais ça un petit peu, Koro Sensei, Shelly, ou pas du tout? Koro Sensei Quest. Non, c'est la première fois que j'en entends parler. En vrai, du coup, toi, est-ce que ça. Comme beaucoup. Ce genre de truc-là, est-ce que ça te hype? Ah, complètement. Moi, de base, j'avais décelé un petit peu ce côté un petit peu gaming dans As Class. Forcément, on t'en parlait tout à l'heure, le fait de chacun choisit sa petite classe en fait. T'es Mastoc, t'es le tank, tu prends soit t'es un franc-tireur, un assassin littéralement comme Nagisa avec ta dague, ton petit couteau. Et donc non, c'est la première fois que j'entends parler. Puis c'est intéressant, en tout cas, ça attire ma curiosité. Ouais. Et le côté JRPG, moi, c'est un truc qui me touche énormément. Moi, c'est cette génération.
qui a grandi avec et qui regrette aussi le tour par tour. Mais bon, il faut bien avancer, il faut bien dans, dans l'action et dans les 60 FPS. Mais bon, voilà. Et encore, voilà. 60 FPS, c'est limite pas assez, frère. Donc, c'est... Et toi, la page, c'est 240 maintenant. Oui, voilà. Bon. En tout cas, intéressant de voir un petit peu justement comment Koro Sensei Quest avait pu exister, même les idées que Matsui avait envie de mettre à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup et ça, surtout, on sent quand même que Matsui, il a vraiment, tu vois, ses idées en tête et qui sait vers quoi il va tendre. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Petit sondage dans le chat pour savoir si vous avez lu ou vu Assassination Classroom, bien sûr. Puisque maintenant, nous allons passer, eh bien, à un moment un peu important, puisqu'il y a pas mal d'annonces ce soir concernant Assassination Classroom. Mais avant tout, trailer. Et justement, eh bien, vous le pouvez le voir, et il est juste là. Oh, attends, il est plein en plus. Ah ben, il est plein. Oh, il est plein. Vous l'avez... Son pote vient d'arriver. Juste ici, le nouveau Quai Puzzle. On avait parlé notamment des Quai Puzzle avec Yu Hakusho tout récemment. Eh bien, c'est la suite, ça y est, ça arrive avec, donc du coup, Assassination Classroom. Encore, eh bien, une belle... preuve que vous continuez de faire vivre la licence. Vous avez toutes les informations avant première à la Japan Expo, au prix de 20 euros. Ça sortira sinon le 1er septembre. Ouais, tout à fait. Au prix donc du coup de 19,99, 1000 pièces. Et en plus, le visuel, il est plutôt, plutôt sympathique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, de la conception de ce bazar ou c'est comment? Non, c'est en fait au niveau d'un choix éditorial de plusieurs images. En effet, on se dit sur les puzzles... Il faut qu'on apporte quelque chose de différent. Il faut qu'on apporte toujours un visuel un peu voilà. Sur une série très connue, on aurait pu faire le jaune. Ouais. Bon, je vous avouerai que tout jaune, hein, ça t'aurait peut-être plu, mais je pense que t'aurais tellement galéré. Non, mais en fait, et même en vrai, est-ce que ça rendrait si bien sur un puzzle? Non, bah c'est un choix, mais ce serait pas un premier puzzle. Ouais. Déjà là, les uniformes gris, tout ça. Oui, c'est vrai que déjà, on n'oublie pas, hein, c'est 1000 pièces. C'est hein, tu vas un peu galérer, voilà. Tu vas prendre bien 3-4 heures à le faire, ton petit truc. Surtout donc, surtout de Koro en bas. Voilà, on a eu de la chance de trouver, d'avoir encore dans nos archives des visuels qui n'étaient pas très très utilisés. Ah, parce qu'on nous a posé justement la question, on nous a demandé si c'était quelque chose d'inédit en termes de visuel, mais parce que moi je n'ai pas eu le souvenir de l'avoir vu. Non, surtout en orange, il ne correspondait pas forcément à des coffrets qu'on aurait pu mettre, enfin des visuels qu'on aurait pu mettre sur des coffrets, parce que soit c'était trop avancé, soit c'était pas assez. Et donc du coup, on respectait aussi la période de diffusion des mangas. Donc on allait de pair en choisissant des visuels assez communs pour marquer le fait qu'on appartient à une fanbase de Koro Sensei Quest et donc de pas trop se démarquer. Mmh. Donc on avait quelques visuels encore en stock et celui-là en tout cas, l'exhaustivité principale, le triptyque important qu'on tu vois tout le monde avant. Et tout. Ouais, voilà, non, c'est vrai qu'il y a Karma, Nagisa et Koro, on le met en avant. Et puis t'avais aussi le faux prof, l'agent qui voulait tuer, tu vois, avec qui était en avant. Tout ça faisait que c'était assez bien mis en avant. Ouais. Et que le visuel, on le pousse, en tout cas, on le choisisse et qu'on le fasse valider. Parce que c'est toujours soumis à validation. N'oubliez pas que une série qu'on acquiert, elle n'est pas totalement à nous. C'est comme une location. Voilà, on cherche à faire de très belles choses et on nous aide parfois. Et là-dessus, on avance. Et c'est pareil pour tous les autres puzzles. Hunter, on a créé quelque chose. Yu Yu Hakusho, on a repris un Kivisual. Parce que Yu Yu Hakusho n'a pas la même n'a pas eu la même expérience en France. C'est encore une fois. Oui, okay. C'est-à-dire que Yu Yu, on le montre parce que c'est quasiment plus nouveau que Hunter ou que As-Class. Où c'est rentré beaucoup plus dans la culture populaire entre guillemets en tout France que Yu Yu Hakusho malheureusement. Voilà, t'as des visuels que tu connais, que tu reconnais. Alors que là, Shaman King. Et Fairy Tail, eux, ces deux-là, ils vont être un peu moins... Shaman King va être plus classique, on va récupérer une sorte de Kivisual. Fairy Tail, on va aller chercher un visuel qu'on n'a pas trop vu, où on a aussi l'exhaustivité des personnages. Donc, c'est un premier choix.
Et puis, si ça marche bien, il y en aura d'autres. Ah, écoute, en tout cas, les gens sont plutôt saucés. Hein. Ils trouvent même l'idée des puzzles assez bonne. Ils sont incroyables, les puzzles. Enfin, vraiment, les gens, ils sont plutôt, plutôt hypés. Hein. Bah, tu vois, je pensais pas que le puzzle allait autant... Ouais, alors, bien sûr, mais tu sais, c'est pas quelque chose sur lequel t'attends, entre guillemets, un contenu animé, manga ou ce genre de choses-là, tu vois. Il y en a très peu. C'est un truc, t'es là, t'es en mode, mais attends, d'où il y a un puzzle manga Moi, je kiffe, tu vois, tu mets un puzzle dans un cadre, moi, je kiffe, je trouve ça trop stylé, tu vois. Ça change des figurines, en fait. Exactement. Ça change des figurines qu'on voit et qu'on revoit. Et en plus, comme tu dis, si on a... je dirais pas non plus une exclue, mais quelque chose d'inédit, ça change et puis ça fait quelque chose de très joli. Ouais. En plus, dans un cadre, déjà t'as le challenge de le faire et ensuite tu sais que c'est toi qui l'as construit, donc tu le ranges. Puis après, tu te rends compte que t'es une merde parce que t'as mis 12 ans à le faire, mais ça c'est un autre débat. Mais... c'est très propre, Tu le dis pas. Non, tu le dis pas, bien sûr. Bon, après, quand tu le fais en live, bon, t'es un peu grillé, quoi. Tu vois, c'est, je pense à la Zedlan où il y a eu une épreuve autour du puzzle et que ça a été la sauce. Ah non. Mais. Ces sujets-là reviennent tout le temps. Qu'est-ce qu'on doit choisir comme visuel? Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on fait plaisir? Et puis, il y a aussi... Alors, là, je rajoute, et je suis désolé, je vais faire un peu mon pas goodies du grenier, mais moi, j'avais rapporté ça. Et d'ailleurs, on peut le faire gagner. Hein. Donc, lourd. Un truc à faire, à gagner en plus. Et je vous dis, donc, c'est vraiment goodies du grenier. C'est un clear file donc de 2014 de 2015. Ah oui, là, c'est vraiment, t'as sorti l'aspirateur et t'es tombé dessus sans faire exprès, quoi. Et puis, je me dis, et puis Sanagisa, c'est un des personnages, tu vois, avec le fond de Korosen Sequest. Tout ça fait que cette série, elle est, on n'en a pas vu assez, je pense, que tout le monde continue à en vouloir. Que là, on reprend, donc il y a une figurine qui est derrière nous. On va y venir. Et voilà, et c'est pour ça que tu repartiras ne pas t'inquiète avec. Pas. Si, mais ça, ça ne dépend encore une fois, Pierre. Enfin, mon petit Pascal. En vrai, il est très cool, hein. Franchement. On peut le faire gagner, voilà. En plus, t'as un petit reflet un peu d'eau. Oui, et voilà. franchement, c'est sympathique. Il est vraiment cool. Il y a eu énormément de choses là-dessus. On le fera gagner. Mais oui, allez-y. On ne repart pas avec, c'est bon, ok. Voilà. Je ne repars pas avec dommage, tout forcément, dommage, je vous le donne. Dommage. Donc il y a plein de visuels. Alors, des fois, c'est pas possible. Bien des sûr. Fois, il n'y a qu'un seul qui visuole et l'auteur, soit il est... Il n'est pas forcément beaucoup dans la boucle. Ouais, ou il n'est plus là. Ou il n'est plus là. Voilà, ça ne lui appartient plus. Parce qu'il y a quand même, c'est vrai qu'il y a quand même un truc sur lequel on ne se rend pas forcément compte, mais la Shueisha, par exemple, a une grosse possession de l'œuvre. Et des fois, ils prennent souvent, même très souvent, des décisions sans forcément avoir un gros communiqué avec les auteurs. On est plus autour du Tantôt. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus le Tantôt qui va donner les infos. Mais normalement, le Tantôt remonte à l'auteur. Parce qu'il y a quand même eu des mangas qui ont pris des trucs un petit peu énervés. Je pense évidemment à Shaman King, où il y a eu quand même une sacrée désinformation entre les deux, avec la Shueisha et l'auteur, puisqu'ils sont carrément partis. Il y en a plusieurs, oui, mais c'est l'évolution. Encore une fois. Hein. C'est-à-dire qu'un auteur ne se satisfaisait plus forcément, il voulait récupérer son œuvre, t'en as plein. Oui, c'est surtout des vieux. On va jouer la carte vermeille. C'est des vieux. C'est la carte vermeille, là. Tu m'as mis, je sais même plus où je me mets. Mais en fait, c'est juste que je trouve ça intéressant de parler de la relation que tu vas avoir en fait, avec la Shueisha et l'auteur. Mmh. Là où on a l'impression que c'est un truc qui se fait ultra simplement. Mmh. Alors que c'est des fois un peu plus compliqué sans qu'on le voit. On ne sait jamais. Tu vois, non mais bien sûr que nous on ne le sait jamais. Mais après, ça va être des histoires que tu vas voir qui vont sortir des années plus tard. On avait eu plein de petites informations comme ça à travers le bouquin qu'avait sorti autour du Shonen Jump, l'âge d'or, qui était ultra intéressant. Où tu voyais justement qu'il pouvait y avoir des dissonances entre les maisons d'édition et je trouvais ça intéressant de voir un petit peu justement comment... Mais après, les dissonances dont tu parles ne sont pas tellement entre nous et... Je ne parle pas entre la maison d'édition et l'auteur, bien sûr. C'est juste des relations normales entre auteur et maison d'édition. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe, on voit ça sur la créa, tu n'es pas toujours d'accord avec l'auteur sur la façon de promouvoir sa série, de la défendre, et donc tu discutes, et parfois, malheureusement, la discussion... n'avance plus et faut prendre une décision. Une décision, quoi. Et du coup, des fois, il faut trancher, évidemment. Alors, justement, en parlant de trancher, tu nous proposes quand même un truc assez sympathique,
puisque tu nous as parlé à peu près 12 fois depuis le début de l'émission d'une figurine, oui. Puisque vous avez justement du côté de Microïs oui. récemment récupéré, enfin créé d'ailleurs carrément un gros partenariat avec Takacorp, oui. Et c'est l'occasion carrément de parler en fait d'une ouais. vraie figurine Assassination ça. Classroom par Taka. Taka, et donc en fait, Takacorp est. C'est maintenant intégré à Plastoï. Et Plastoï, c'est... voilà, c'est et c'est, voilà, c'est Média Participation. Voilà. Et Plastoï fait partie de Microïs. Voilà. OK. Et donc Takacorp... rejoint donc Plastoï. Rejoint Plastoï et Microïs. Et on est d'ailleurs très, très heureux voilà, de cette intégration. Et Assassination Classroom avait déjà fait l'objet d'une série. Donc cette figurine est déjà sortie. Mm-hmm. Elle a été sold out. Et du coup, on a relancé avec le puzzle, on a relancé les droits pour continuer et pour sortir à la fin de cette année une nouvelle série. En tout cas, on va reproduire celle-là. Ok. Et voilà, si il y aura normalement d'autres petites surprises qui vont arriver. On refera un live et j'en parlerai. On refera un live carrément. Une vingtaine de fois. si tu m'invites. Non. C'est fini. Merci. Oh, tu pars. Comment ça, merci? Voilà, je ne reviendrai pas. Tu t'emmerdes, Asclass, non, c'est ça ? C'est pas vrai. C'est ça que tu es en train de dire. Et donc, ouais, Asclass, en fait, c'est un titre qui est sans cesse demandé. En tant que figurine, on n'en a pas beaucoup. Et ouais. Taka a réussi, franchement, sur ce type de qualité, de PVC, de matière et de mise en mise en. Elle est vraiment jolie, hein. En fait, tu vois, moi, c'est un. C'est un truc que je trouve assez ouf, c'est qu'il y a vraiment. En vrai, oui, tu peux la prendre, hein, comme ça on va pouvoir la montrer. Ouais, faut faire attention quand même, mais. Ouais. Si tu veux repartir avec, essaye. Non, mais il repartira pas avec. Elle est sublime. Elle est vraiment sublime pour le coup. Et donc, voilà. Et donc, c'est. Voilà, niveau couleur, niveau proportion, ouais. niveau placement, avec la craie, avec le mouchoir, jusqu'au détail du mouchoir, parce qu'il peut pas prendre cette arme. Il peut pas la prendre, ouais. En plus, on ne se rend pas compte, mais vraiment, faire toutes les tentacules et ce genre de choses-là, voilà. ça demande quand même une sacrée finesse. Et faut pas que ça casse dans la matière. Et ouais. tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de détails qui ont été... En effet, c'est simple, mais dans la simplicité, tu peux voir les reflets, tu peux voir la façon dont ça a été sculpté. Donc, c'est vraiment... Nathan demande si on peut les avoir dans les bureaux de Bruxelles. Alors, Nathan rêve devant nos vitrines quand il passe à chaque fois. J'ai caché les clés. J'ai un sac. Je peux repartir avec. Non, elle reste avec moi. Après, là, dans un sac, il va falloir que tu sois très, très, très précautionneux. Hein, parce voilà, que exactement. C'est... Mais on va. Voilà, donc elles vont ressortir d'ici la fin de l'année. Ok. On a un tarif déjà ou pas du tout Pas encore. On va voir, malheureusement, par rapport. Voilà. On vous le recommuniquera dès qu'on le connaîtra. On refera un live. Ça, voilà. On refera un live pour pour parler 40 fois de la statue. Vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut. Voilà. Merci. Non. D'accord. Ouais, bah oui, évidemment. Tu veux pas me la mettre dans la main. Non, je peux pas parce que si. Tiens, vas-y, prends-la. Voilà. Comme ça, au moins, je suis pas tenté. Voilà, s'il te plaît. donc, il y a. Voilà, il y a. Il y a une œuvre qui a été faite et qui reparle d'elle-même. Et voilà, et on n'est pas les seuls de toute façon, puisque Kana aussi a remis en avant continuellement ses séries, mais à ce cas, voilà. Merci pour cette transition toute trouvée, puisque justement, nous allons passer avec toi, Timothée, pour parler un petit peu justement d'une nouvelle offre promotionnelle autour de ce très cher Assassination Classroom. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler avant de passer à la vraie grosse annonce du côté du monde. Voilà, parce que sinon je vais faire un peu. J'ai l'impression d'être un peu ridicule après la. Non, ne t'inquiète pas. Pour les 10 ans d'Asclass, on fait une OP Yusei Matsui pour l'achat de soit un tome d'Assassination Classroom, soit de Elusive Samurai, pour l'achat de deux tomes, avec une des deux séries dans les tomes, vous aurez le droit de repartir avec un pins. Deux pins à l'effigie de deux personnages de la série. Moi, je suis très fan du deuxième. Entre Koro et j'ai oublié son nom au prêtre. Soit.
Soit. Okay. Ils sont deux ravagés dans leur genre. Ah, soit il est bien fumé. On y arrive, on y arrive. On va en parler de ce type parce qu'il est assez extraordinaire. Donc voilà. Donc vous demandez à votre libraire s'il a bien, s'il joue l'OP, s'il a les pins. Et puis sinon, si votre libraire ne le fait pas, via 9e store, il y a aussi moyen de participer à l'opération. Ça, c'est cool. Tout le monde ne peut pas forcément, n'a pas forcément de librairie spécialisée, malheureusement, ce genre de choses-là. Ben oui, oui, et puis tous les libraires ne jouent pas forcément toutes les opérations, donc voilà. Il y a d'autres moyens de les obtenir. Ça démarre quand ? Ça démarre maintenant, là ? Ça démarre au mois de juin. D'accord, donc c'est vraiment à partir de... J'ai plus la date précise en date. Bon, en tout cas, c'est début juin, ça démarre, et c'est pendant combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ah d'accord, ok, donc c'est vraiment jusqu'à l'épuisement du stock. Très bien, mais c'est cool ça en vrai. Le 16 juin, on nous dit dans le chat, comme ça au moins, merci pour les infos. Et maintenant, on va pouvoir passer à la quatrième annonce concernant Assassination Classroom. Là par contre, ça pèse son poids. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pèse son poids dans les deux sens du terme. Puisque, eh bien, pour la fin d'année, Kana a décidé de vous proposer deux coffrets qui représentent l'intégrale de Assassination Classroom. Vous les voyez juste là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette volonté de faire des coffrets ? On sait que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur sur les dernières années. De plus en plus d'éditeurs le font. Voilà. Mais là... Et puis de plus en plus de demandes de la part du public pour avoir des intégrales et notamment sur des séries comme ça. Alors c'est jamais évident parce que 21 tomes... Ça commence tout de suite à faire son poids. Bien donc sûr. C'est pour ça qu'on est parti sur deux coffrets, un de 11 tomes et un deuxième de 10 tomes pour avoir l'intégrale de Assassination Classroom. Et on peut remarquer que le fait qu'il y ait un tome en moins, ça ne représente que 3 euros. Chose assez intéressante puisque le premier coffret est à 74 et l'autre à 71. Oui, parce donc, que le premier, comme il bénéficie du tome 1 à 3 euros, voilà, bien sûr. Ça rattrape un peu. Ouais, mais je trouve ça intéressant de même l'intégrer dans ce genre de choses-là, là où certains en fait oublient carrément ce genre de choses-là et puis juste bombardent sur les tarifs classiques. On a vu, il y a un ex-libris à l'intérieur à chaque fois dans l'un des coffrets. Maintenant, est-ce que on aura la possibilité d'avoir les coffrets vides ou pas ? Alors, pas dans l'immédiat. Ouais. Pour l'instant, on est parti sur, avec ces prix-là, avec des coffrets pleins. Parce que 71 euros, le coffret vide, vous allez nous jeter des pierres. C'est vrai que 74 euros, la boîte de carton, je pense que t'as un peu envie de te battre, mais... Non, avec les nôtres, quoi. Oui, bon, bah... Ouais, mais je suis pas sûr, là, Pascal. On réfléchit à pouvoir vous proposer un jour ou l'autre des coffrets vides. On cherche encore la formule, la mécanique pour que ça fonctionne avec les libraires, pour effectivement ceux qui ont déjà la série qui auraient envie d'avoir aussi ces coffrets. Est-ce que on peut remettre le visuel, s'il vous plaît, puisqu'on a la sortie donc, du coup, voilà, pour octobre 2023. On les verra pas à Japan ? Non, du tout. Là, déjà, ce que vous voyez, c'est vraiment du visuel provisoire. Ouais. Le concept a été validé par le Japon, par les ayants droit. Donc maintenant, il faut qu'on finalise notre maquette, notamment avec les ex-libris, qui voient tout. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment ça sort du four. On a eu le go. Ce matin, si je dis pas de bêtises. Parce que moi, je préparais l'émission il y a déjà quoi, quasiment 3 semaines. On y croyait. On aime vivre dangereusement, voilà. C'est un petit peu le but aussi de vivre sur le fil, finalement. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir bien cette annonce. En tout cas, les gens sont ultra saucés, trouvent le visuel, notamment à l'intérieur, très, 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 très cool. Moi, j'aime beaucoup ce truc en mode... avec toutes les petites photos des élèves à l'intérieur, trombinoscope et autres, franchement, je trouve ça très cool. C'est aussi des choses qu'on a pu voir parfois au Japon, dans des coffrets que eux font au Japon, mais il faut que le coffret soit suffisamment grand pour que le visuel, tu puisses en profiter, qu'il ne soit pas complètement caché dans un coffret trop petit. Donc voilà, là, c'est l'occasion de s'amuser sur ce genre de coffret.
Bah, en tout cas, ça fait plaisir. On arrive à la fin de la partie concernant Assassination Classroom. Vous connaissez à chaque fin de partie un petit concours. Eh ouais, bah en plus maintenant vous avez le clear file en plus qu'on rajoute dedans. Donc vous pouvez y aller. Vous pourrez gagner les différents goodies qui étaient sur la table. Vous avez juste à écrire Matsui dans le chat. Et vous pourrez. Alors non, parce que non, alors non, la figurine n'est pas inclue. Il vient de la poser sur la table. Elle n'y était pas au début. Hein. C'est pas un goodies. Je, écoute, je ne suis pas responsable. Ouais, hein, c'est aussi frais que la décision tu, de. Tu sais quoi? Je ne suis pas responsable. Tu te battras avec Nathan. D'accord. Hein, je suis. C'est pas moi. C'est pas ma faute. Vous débrouillez entre vous. En tout cas, vous pouvez y aller dans le chat. Vous avez une minute. Puisque maintenant, vous le savez, on va passer à Elusive Samurai. Et c'est parti pour un petit trailer. Ah. On m'a mis qu'il y avait un trailer dans le runner. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, et bien on va continuer tranquillement. On va le faire. On va le faire très. Ouais, alors on va le faire nous-mêmes. On va pitcher la série. On... Ah, bah écoute. Désolidarise complètement. Oh, t'es pas drôle en vrai. Quoi, tu viens allez, en vrai, viens en, en vrai, elle a un petit, petit doublage en, en live et on se régale, dans tu vois. Dans un Japon féodal, vas-y, reviens. Dans un Japon féodal, tout coucouillé, se retrouve tout seul, son unique talent, la fuite. Comment va-t-il réussir à venger son clan? Bon voilà, c'était à peu près le pitch. Non, on va laisser évidemment Timothée nous parler un petit peu plus de la série. Est-ce que tu peux nous parler justement de Elusive Samurai, la toute nouvelle série de Yusei Matsui, et bah, nous donner voilà, un petit peu les tenants, les aboutissants de, bah, de ce manga. T'as déjà bien pitché la série. On est effectivement dans un Japon féodal et c'est une histoire de vengeance et de reconquête du pouvoir. Japon. Où un héritier d'un territoire se voit finalement par le général. Littéralement, le général de cette famille. Le général qui était son grand ami, qui l'adorait, mais qui lui a planté un couteau dans le dos, qui a massacré toute sa famille, aurait pu le massacrer lui aussi, mais voilà. Il a une cache dans le milieu. Il a cette capacité d'être doué à l'esquive et à la fuite. Ce qui est un peu. Contre-emploi, ou en tout cas ça dénote dans cette époque où le code d'honneur du samouraï c'est pas du tout la fuite. Bien sûr. C'est au contraire mourir au combat. Il y a voilà. Là le héros, Tokiyuki, lui, c'est tout l'inverse. Mais encore une fois, un peu comme dans Koro Sensei, il va rencontrer un adulte qui va lui servir de mentor, ce prêtre de Sowa qui va le prendre sous son aile et qui va l'aider à révéler tout son potentiel pour en faire un leader. Parce ouais. que pour reconquérir le pouvoir, à cette époque-là, il ne suffit pas de se pointer et il faut être capable de lever une armée et puis après de motiver les troupes. Les gars, ils ne sont pas prêts à vous suivre comme ça juste pour votre beau minois. Donc voilà, il y a tout cet apprentissage-là qui va se faire et voilà, on va suivre comme ça les aventures du héros face à un général qui est lui pour le coup l'archétype du samouraï qui représente charisme, tout ce qu'il faut, guerrier, il est bon comme un dieu, bref. Voilà. Donc c'est mal barré au point de départ, mais voilà. Ah bah si, un trailer là, incroyable. Eh, ça c'est une régie au top ça. donc du coup voilà, vous avez eu un petit peu le pitch, merci beaucoup Timothée. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que c'est quand même une série du Jump qui est assez intéressante, qui dénote des autres en ce moment. Moi, j'aime beaucoup justement qu'on retrouve ce côté Japon féodal, là où quand tu prends la plupart des mangas du Jump actuel, c'est très ancré dans notre époque. C'est quelque chose qui vraiment apporte un petit peu de frais du côté du Jump. On est sur un héros qui veut fuir tout le temps, qui a réussi, comme on le dit dans le chat très bien, a réussi à rendre la fuite badass. Moi, j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Comment, toi, justement, tu trouves, Shedley, qu'il arrive à rendre ce côté de fuyard, peut-être même poltron un petit peu, ouais. pourtant, tu vois, au centre de son manga, ouais. et surtout de déployer un personnage qui est torturé par énormément de choses, tout en ayant ce côté très décontracté. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, il va pas à la bagarre, il fuit. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on arrive aussi un petit peu à s'identifier, parce que
Excuse-moi, mais moi perso, il y, un grand dadé qui vient, un grand général avec son sabre. Moi, je fuis, c'est pareil, tu vois, je vais pas y aller. Lui, il est pas équipé en plus. Donc, Bah, il a 10 ans. Ouais, mais il est jeune, il est pas équipé. Pas formé. Et donc, au final, il se retrouve à devoir récupérer son héritage. Ouais. Sa succession, enfin, le shogunat, hein, c'est ça. Et donc, bon, il va avoir un mentor assez spécial. C'est un super personnage qui fait penser un petit peu à Koro. Mais, ouais, de fou, mais fou, c'est vraiment un tout petit clin d'œil au final. Hein, c'est son propre personnage, c'est, très léger, c'est ouais. sa propre identité. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'œuvre, c'est l'esthétique aussi. Les kimonos, c'est très joli. Alors, on peut parler des covers. Hein. Ouais, et tout. Ouais, les covers sont magnifiques. Je crois que même sur les dessins, kimonos, tout ça, il y a un travail de recherche complètement. De dingue. Et les sabres aussi. Les katanas sont vraiment magnifiques. Et on retrouve pas souvent ce niveau de détail. Voilà, je parlais de cette couverture-là. Et elle est incroyable, celle-là. Si je dis pas de bêtises, c'est soit le 7 ou le 8. T'as un ninja sur la couverture. Alors, je sais plus du tout c'est quel tome. C'est celui qui doit sortir, hein, je crois. Alors, c'est pas le 8. C'est le 8. Bon, alors c'est suivant. C'est pile poil. Même celle-là, elle est incroyable en noir et blanc, comme ça. Ça, c'est vraiment le. Comment dire, c'est le côté vintage. Ouais. C'est vraiment le côté vintage. Bienvenue dans un film de ceux qui ont vu ça, ils savent de quoi je parle en plus. Donc, c'est vraiment très, très. Très très stylé. Et non, donc c'est plus ou moins réaliste au niveau de la fuite, mais il y a aussi un petit message dedans. Alors, est-ce que je l'invente complètement est-ce que c'est le philosophe derrière moi qui parle T'inquiète, c'est ton interprétation. Mais c'est l'idée de ne pas aller au combat, mais c'est plutôt de le fuir pour mieux combattre. Il y a vraiment cette idée-là. Très bien ce que tu veux dire. Et en fait, c'est très bien fait. Moi, quand j'avais lu le synopsis, je me suis vraiment dit il va fuir comme un poltron mais en fait c'est tout le contraire, c'est une fuite qui est assumée et qui réfléchit et clairement. Aussi, en fait c'est le fait d'esquiver, c'est ça qui est important. C'est pas la fuite le plus important, c'est le côté d'esquiver. Lui il esquive les conflits, c'est ça l'objectif en fait de notre héros, c'est en ça fait, son pouvoir. Comme le dit très bien justement ce fameux prêtre, il a un instinct de survie qui est ultra développé, voire même exceptionnel. On se retrouve à avoir quelqu'un qui, de base, en fait, son corps bouge tout seul dès qu'il y a un danger. Exactement, il est en autopilote. C'est un pur autopilote. Et ce qui fait que on se perd pas trop dans la logique des autres shonen, par exemple, où tu dis à chaque fois, comme par hasard, il survit. Mais là, il est en autopilote, le gars. Il ne peut pas, en fait... tomber dans ce comme par hasard, on le sait, on le voit, et en plus, soit donc le prêtre, il a aussi lui un pouvoir qui vient compléter celui de la fuite, c'est celui de voir de la divine de la de, du ouais, il voit en fait il fait du foreshadowing tout le temps quoi. Exactement. c'est vraiment le spoiler pur. C'est un pouvoir qui se complète. T'as celui qui recule entre guillemets physiquement ou peut-être dans le passé, qui sait, peut-être que c'est aussi une espèce de message. Et t'as celui qui voit dans le futur. Donc, nous, on va pile poil se retrouver au milieu en tant que lecteur et je trouve ça magique. En vrai, moi, ce que j'aime beaucoup en plus avec ce perso, c'est qu'il casse assez fréquemment le quatrième mur avec ce côté. Non, ça s'appellera le comique de répétition dans quelques années. Et toi, t'es là, t'es en mode. Non, mais il est trop fort, c'est un truc de fou. Enfin, le type, il est là, il brille de mille feux, il te fait du foreshadowing en légende. Franchement, je suis ultra fan du personnage. On a donc du coup parlé un petit peu justement de l'histoire et de comment il se construit. Moi je suis quand même curieux de revenir vers toi un petit peu Timothée sur en fait la pression que a potentiellement Matsui sur les bras parce que tu sors d'Assassination Classroom, c'est un gros succès aussi bien en animé, aussi bien en manga, t'as les ventes qui continuent, t'as l'animé qui continue de se faire voir un peu partout parce que évidemment il est sur Netflix, sur ADN et sur tout ce genre de choses là donc du coup ça continue de contribuer à l'essor. Comment avec Elusive Samurai, tu fais pour te réinventer et surtout faire en sorte que les gens ils suivent un petit peu tous ces trucs-là parce que c'est loin d'être facile. Mais je crois qu'effectivement c'est un pari et c'est toute la difficulté pour les auteurs de réussir à proposer une nouvelle série qui va fonctionner aussi bien que la précédente. Mais déjà il a changé complètement d'époque. Ouais. Il n'est plus dans l'époque contemporaine mais dans le Japon féodal. Il y a aussi, encore une fois, surtout ce travail autour de l'époque et de la recherche documentaire qu'il a fait pour les costumes, pour les armes, pour les décors, qui est dingue. En même temps, il garde aussi des éléments qui ont fait son succès d'Assassination Classroom, avec ces personnages avec des faciès, les méchants qui ont des gueules ahurissantes. Le premier avec ses yeux exorbités, là. Il a cette dose d'humour
qu'on avait dans Asclass, et puis cette chose auquel tu tiens, qui avait beaucoup apprécié dans Assassination Classroom, Pascal, l'humanité, où encore une fois, voilà, on a des personnages qui, en rencontrant d'autres personnages, vont évoluer, et vers quoi ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont devenir, c'est ça qui nous prend aussi. Donc voilà, après, tu sais jamais si ça va fonctionner, enfin si les lecteurs qui avaient été fans de ta série précédente vont te suivre à 100% là-dessus. Mais je trouve que ouais, le pari est réussi pour moi. Bah, en tout cas, on voit quand même qu'il y a une confiance accordée à Matsui du côté de la Shueisha, sachant que voilà, il y a un animé qui est déjà en cours de production. Donc, parce que malheureusement, c'est pas forcément un titre du côté du Jump en termes de classement pur qui va taper du 1, 2, 3, 4. Mmh. On est plutôt sur du milieu de tableau. On a quand même du coup cette confiance du côté de Matsui et du côté de la Shueisha pour Matsui et de se dire. En fait, c'est peut-être quelque chose qui peut prendre son envol avec un animé. Aujourd'hui, c'est une stratégie plutôt connue. Mmh. On a ce genre de choses-là assez fréquemment. Toi, comment tu te positionnes justement vis-à-vis de l'animé? Est-ce que tu as hâte de le voir? Est-ce que tu imagines déjà un peu comment ça pourrait se passer? Quand on voit le travail que tu vas avoir justement sur les couvertures, au niveau des kimonos et ce genre de choses-là, est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose qui, bah, à travers ce jeu de couleurs et autres, peut réussir à attirer l'œil, tu vois. Je me dis qu'ils doivent transpirer pour animer ça. Parce ouais. Effectivement, ouais. Tout ce travail doit être un truc de dingue. Donc voilà, hâte de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, nous, on a très clairement hâte de le voir. Pascal, un petit mot sur l'animé, parce que j'avoue que je suis assez curieux d'avoir ton avis là-dessus, toi qui es désormais maître là-dedans. Merci. Je vais faire une comparaison un peu différente et d'un point de vue voilà complètement extérieur. J'ai l'impression en voyant l'Elusive Samouraï d'avoir le côté inverse et je vais comparer notre auteur à Obata. Obata a eu Death Note, avant il a eu Hikaru no Go. Quand je vois les postures et des peu que j'ai fait sur ses travaux, je retrouve le personnage super soigné du maître de Go, de Hikaru. Oui, 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 carrément, carrément. Et je me dis, mais attends, mais en fait, le Asclass, c'est son Death Note, parce que c'est son succès. Mm-hmm. Et le Elusive Samouraï, est-ce que ça peut devenir plus? Donc je le mets à l'inverse d'un Obata, en ayant, tu vois, cette même intéressant. Tu vois, confrontation. Et je me dis que bah, l'anime va être, en tout cas, je lui souhaite le plus gros succès possible et plus grand que Classroom, mais je pense que la qualité de l'animation jouera sur le succès de la série. Hikaru no Go, c'était très joli, mais c'était très shonen et très mécanique. Et puis il y avait cette époque où c'était très fleuve aussi. C'était de la boucherie. Hein. Ouais. Hein, les boucheries Bernard, à la fin de la semaine, il fallait mettre le biscuit. Voilà, tu prenais le reste et tu concassais. Il y a des épisodes, ils n'étaient pas très, très... Voilà, moi, c'était bien dégueulasse. À un moment, il faut être un peu sérieux. Alors que sur Death Note, tu vois, sur Death Note, c'était... Sur Death Note, c'est un animé fleuve. Et pourtant, la qualité, elle a été ultra rectiligne. 37 épisodes sur Death Note qui étaient plus que corrects. Et donc sur 52 épisodes sur Asclass, ils sont fait pareil. Je me dis que tu vois, aussi joli que ça, dans le trait, la qualité de l'animation va être au service. Se doit d'être au service du manga pour le faire faire évoluer. Surtout des scènes de bataille, d'esquive, tout ça, il va falloir assurer. En plus de ça, t'as plein de moments où tu peux justement créer ce genre de sakuga qui pourrait justement taper véritablement dans l'œil. En plus de ça, ça dénote complètement avec les autres séries qu'on connaît à l'heure actuelle au niveau du Japon féodal, va avoir beaucoup d'effets qui vont appuyer la puissance des épées. Là, on serait complètement dans l'esquive. Moi, je trouve que ça serait un parallèle ultra intéressant. Tu vois. Ça peut être l'évolution d'un Rurouni Kenshin, la différence. Et puis, je pense que... Enfin, moi, j'aimerais... Si l'animé sort et que voilà, on est donc une qualité d'un designer qui soit hyper péchu dans les détails, mais surtout, ça pourrait être comme c'est l'esquive, la fuite et tout ça. Je vois le Kuroko basket en termes de, tu vois, de différence d'animation, où tu le vois s'esquiver parce que le personnage est très similaire, parce que c'est un joueur qui doit être
Aïchette 21 aussi, ce genre de voilà, choses-là. Quoi. Ouais, quelque ouais. chose de très sportif, de plus, tu vois, qui va se rapprocher d'un shonen. De Slam Dunk. Pardon ? De Slam Dunk. Et de Slam Dunk, mais ça, c'est... Hein, voilà, Slam Dunk. Hein, mais ça, c'est on attend le film. Mais Slam Dunk, ça sera... C'est moins, tu vois, c'est dans le terme shonen et moins, moins centré sur la... En fait, c'est beaucoup plus performance physique, ouais. encore une fois, que, ouais. que d'esquive. Ouais. Mais il y a aussi... Donc toute cette architecture animée, enfin cinématographique, mm-hmm. qui se dit que encore une fois, je place l'esthétique en haut, oui. Et l'animation un peu moins forte, mais je préfère avoir quelque chose de plus contemplatif par rapport à un titre féodal, tu vois, de ce gabarit-là. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire parce qu'effectivement. Elusive Samurai a probablement plus de choses à offrir niveau décor ou ce genre de choses-là, parce que ça va être très posé aussi. On rappelle hein, quand même les époques à l'époque féodale, enfin, les batailles sont entre guillemets très lentes tout en étant très rapides, de par le fait que bah, t'as pas de pistolet ou ce genre de choses-là, chose qui dénotait quand même beaucoup comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui. Une bataille, moi je pense évidemment à ce qu'on peut voir à travers Kingdom ou ce genre de choses-là, tu vois. Mmh. En termes de bataille féodale, c'est quelque chose qui représente bien, on a le côté très lourd. Moi j'avoue que je suis très très curieux de voir en tout cas pour l'animé. J'ai lié un petit peu hype quand même, s'il y a un animé qui sort en vrai. Moi je serais hypé, je serais complètement hypé, et c'est vrai qu'encore une fois ça se joue au niveau de l'animation, ça se joue au niveau du graphisme, ça se joue au niveau de l'esthétique. Si on arrive à rendre des kimonos bien toilés, si on arrive à nous rendre des armures bien écaillées, si on arrive à nous rendre des katanas bien coupants, en fait le tour est joué, Son design aussi. Et le sound design, c'est un bon sound design pour les esquives ou ce genre de choses-là. Et rien que dégainer son katana, c'est quelque chose que... Parce que voilà, nous, ce qu'on dit, hein, c'est que oui, il prend la fuite, mais ça reste un combat. Ça reste un combat. Donc, il finit quand même toujours par se battre d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, c'est vrai que là où moi j'ai un petit peu peur, c'est que ça reste quand même hyper violent. On est dans de la comédie, mais il y a aussi une grosse partie dramatique. Ah, il y a un côté drame. Ça commence par un truc hyper violent. Ouais. Et en fait, avec ce premier épisode, en fait, on pourra nous donner le ton de l'avenir en fait, de la série. À partir du moment où on arrive à suivre vraiment ce qui se passe dans ce premier tome, et dans cette première intro, qui va durer peut-être le premier épisode, hein, en soi, j'espère qu'on va pas avoir le tome 1 qui sera entièrement le premier épisode. Ouais, tout à fait. Et si on arrive à prendre le temps de voir ce qui va se passer, de nous présenter aussi l'antagoniste, qui a un charisme assez violent aussi, je pense qu'on est sur l'animé gagnant de ce qui va suivre. Clairement. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Et en tout cas, le chat est hype aussi. On espère évidemment que Cloverworks fera un taf solide là-dessus. Je vais revenir sur quelque chose parce que c'est vrai que je n'y avais pas pensé et je viens de le redire dans le runner. Je suis désolé. Timothée, est-ce qu'on peut parler un petit peu évidemment du travail autour de la simultrade, puisque évidemment, c'est quelque chose qui est arrivé dans nos contrées il y a maintenant un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement comment vous travaillez pour faire en sorte de sortir Elusive Samurai toutes les semaines sur Manga Plus? Écoute, tout à l'heure, on disait qu'Assassination Classroom était arrivé vite. Tu peux dire As-Class si tu veux. As-Class, après le Japon. Là, on est arrivé encore plus vite sur Elusive Samurai. C'est là où on est une autre époque. Et très vite, la question s'est posée de est-ce qu'on y va en simultrade et sur Manga Plus. Et oui. Mais après, comment on met ça en musique ? Comment tu mets ça en place ? Parce qu'il faut s'organiser d'une autre manière, parce que toutes les semaines, tu dois avoir le traducteur qui est sur la balle pour récupérer fichiers qu'on reçoit du Japon, qu'on envoie au traducteur, qui renvoie la traduction. Derrière, il faut corriger le tout et envoyer au lettreur avant de renvoyer au Japon. Et en vrai, il y a tellement d'étapes, c'est juste pour un chapitre par semaine. C'est... T'as 5 jours. Les traducteurs, parfois, bossent le week-end parce qu'ils n'ont pas le choix. Si les fichiers arrivent trop tard, faut cravacher. Donc voilà, c'est une autre organisation. Et dans l'équipe, ils chôment pas. Et effectivement, la simultrade, c'est un peu... Oula, le chapitre arrive, je laisse tout de côté. Et il faut que je me mette là-dessus. Je me mets là-dessus et je reprendrai le reste après. Du coup, est-ce que ça facilite quand même un petit peu la production des tomes reliés derrière ?
Parce que du coup, il y a quand même une relecture et une retraduction. Et non, ça ne facilite pas la production des tomes derrière. Parce que la vraie sauce, jusqu'au bout. Parce que les auteurs au Japon, entre la version dans le Jump et la version dans le Kobo, il y a des différences. Ils font des corrections, ils retouchent leur texte, tout ça. Donc il faut reprendre leur dessin, leur tout texte, ça tout. Pour être sûr de repartir avec les bons fichiers. Mmh. Donc c'est beaucoup de relecture et de contrôle pour voir ce qui a pu bouger entre la première version et la version définitive. On me demande, le traducteur français est au Japon, du coup ? Je ne sais plus qui traduit Elusive Samurai, mais je crois. Hop, oh là là. Bon, ne t'inquiète pas, hein, c'est juste, on lit une question du chat. Écoute, bonne question, je ne sais plus, je suis pas sûr. Bon, écoutez, vous aurez cette réponse au prochain live, le mois prochain. Je me ferai un petit encart et je dirai, c'est concernant ce truc-là la dernière fois, ouais, voilà, il est au Japon. On a également aussi quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il y a eu donc du coup un sacré dilemme concernant notamment les couvertures de Elusive Samurai, puisque tu as un côté, donc tu as le dos en rouge. Comment est-ce que je vous avais un petit peu adapté tout cela ? Parce que c'est surtout que dans la version japonaise, il y a un cadre, voilà, qu'on voit à l'écran. Ce fameux cadre rouge. Ce cadre rouge qui, nous, on n'était pas convaincus, on trouvait que ça avait un côté trop livre d'histoire, justement. Ce qui nous embêtait un peu, et surtout, elle bouffe une bonne partie de l'île. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Donc on s'est dit, on va essayer de plutôt mettre les illustrations en avant le plus possible. Alors après, bon, il y a quand même toujours un logotitre qui prend la place. Que j'aime beaucoup, hein. Avec la petite Triforce et tout sur le A, je trouve que c'était vraiment très bien foutu. Alors, ce qui est, Non, c'est pas la Triforce, c'est pour faciliter. C'est un abus de langage. Nintendo nous a bouffé. C'est un abus de langage, mais voilà, je trouve ça intéressant quand même. C'est un mon qui est partout au Japon, tu peux même le voir dans des... T'inquiète, hein, je suis allé devant des temples, j'ai vu des trucs, voilà, j'ai fait « Ah, c'est stylé, toi !» Nintendo, ils sont bourrés partout, c'est pour Zelda. Le temple, il a 400 ans. Ah oui, Nintendo était déjà présent à cette époque-là. Le parti pris a été pris de donner le plus de place possible à l'illustration. Ce qui du coup rend, en fait, d'ailleurs, vraiment, je trouve, hommage finalement au dessin de Matsui, parce que c'est... La première fois que je tombe sur Elusive Samurai dans une librairie, j'hallucine sur la première cover. Enfin, vraiment, le travail sur le kimono, les couleurs et autres. Les motifs, les tissus. Moi, j'ai été scotché quand je les ai vus la première fois. Alors, justement, on peut parler un petit peu aussi de tout cela, mais vous avez proposé notamment des petites versions collector où, justement, tu vas avoir des grandes fresques comme ça avec un petit stand acrylique qui est à l'intérieur, et ensuite le petit coffret pour justement rendre le truc un peu plus rigide. Elusive Samurai, quand même, vous y croyez très fort. Il y a d'autres opérations promotionnelles peut-être prévues bientôt à terme dessus. Il y a des choses qui vont voir le jour pour cette série avec Japan Expo qui arrive. Pour l'instant, pas, puisqu'il y a cette opération. Ouais. Avec lui, c'est vrai qu'il est quand même dedans. Qui arrive là. Mais donc voilà, on va voir avec évidemment en 2024 l'arrivée de l'animé, ce qu'on pourra mettre en place à ce moment-là. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir clôturer cette émission. Hein, voilà, ça fait un peu plus d'une heure et demie qu'on parle de Yusei Matsui. Je vais maintenant vous présenter les nouveautés du mois, puisque vous le savez, à chaque fin de live, on parle un petit peu des nouveautés. Nous avons le tome numéro 9 de l'édition Star de Yu Yu Hakusho. Toujours là, hein, ce très cher Togashi qui continue de nous régaler avec le petit Yu Yu Hakusho, qui est tout simplement incroyable. On arrive gentiment sur la fin, puisque c'est 12 tomes pour l'édition Star. Donc on commence à arriver gentiment vers la conclusion. Ça se termine cette année. Enfin, ça se termine en 2023, tout à fait. On a d'ailleurs l'une des nouvelles sorties chez Kana. Encore un truc en blue. Blue Wolves, décidément, le bleu est à la cote, hein, clairement. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu ce qu'il en retourne de Blue Wolves ? Alors, là aussi, série un peu historique, shonen historique, mais on n'est pas tout à fait à la même période. Là, on est plutôt Bafuku, donc au moment où le Japon a commencé à se réouvrir vers l'étranger. Et donc, c'est la création du Shinsengumi à Kyoto. Et
on va suivre comme ça voilà, ce groupe de samouraïs 100 mètres qui décide de remettre de l'ordre dans la ville et via le regard d'un jeune garçon qui est chapeauté par deux adultes qui décident de le prendre avec eux dans leur clan parce qu'il a un regard sur la justice qui leur semble pertinent et intéressant et qui leur servira sans doute eux à ne pas basculer du mauvais côté. Dans leur bien idée sûr. De « on ramène de l'ordre », très vite, tu peux te mettre à... Ah, mais tu régimes totalitaire, hein, histoire de... Ça voilà. Fait toujours plaisir. Donc, il va servir un peu de garde-fou et en même temps, lui, il va devoir aussi apprendre à se battre et essayer de se battre pour cette vision de la justice qu'il a chevillée au corps par rapport notamment aux enfants, aux innocents qui sont les premières victimes de cette période qui reste extrêmement violente. On passe à cette fois-ci Trap Hall, premier volume d'une série de 4. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de la série? Donc là on est c'est notre nouveauté Life de cette année de Yoko Nemu, une autrice qu'on a déjà publiée par le passé, et là c'est l'histoire d'une jeune femme qui alors qu'elle est fiancée et que le mariage est en préparation, son fiancé vient lui dire désolé chérie, je te plaque parce que j'en aime une autre. Donc son monde s'écroule. Let's go ! Et surtout qu'en plus, il bosse dans la même société, dans une petite ville, et donc, de fil en aiguille, elle décide de partir à Tokyo pour essayer de refaire sa vie avec un ancien copain du lycée et avoir une affaire avec lui, sauf qu'il ne lui a pas dit qu'il était déjà marié. Et donc, de nouveau dans la mouise, et donc on va voir comment elle va réussir ou pas à sortir la tête du trou et surtout à apprendre de ses erreurs et comment elle va rebondir. En vrai, intéressant, j'aime bien le pitch. En plus, 4 tomes, pas trop long, petite série sympa que vous pouvez avoir rapidement dans la bibliothèque. Ça fait toujours plaisir. Et ensuite, évidemment, le dernier volume de la fameuse édition Hokage de Naruto. Mais je crois que Pascal a un truc en plus. Mais qu'est-ce que tu fais Le vinyle, on ressort, donc je te le mets dans les tiens. Oh voilà. Salut, j'ai le droit de toucher cette fois-ci, voilà. C'est un truc de réédition, ouf. Réédition du vinyle de Stampede. Oh, il est beau, hein. Qui avait été soldat. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Tu peux regarder un peu à l'intérieur. Ouais, alors il est sous plastique, donc ouais, c'est chiant, mais. Je l'ouvre pour toi. Ah, avec les dents? Non. Non. Un peu de tenue quand même en live. Pas encore. Je sais que j'aime bien récupérer des choses, mais quand même, on n'est pas à ce stade-là. Donc en fait, on l'a refait. Parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et il est dispo sur le site de Microïd Records. Et il est anciennement Kana Music. Toujours Kana Music, Microïd Records. Il faut le préciser. Donc, il claque. Voilà. Oh là 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 là. Oh, ça c'est. Oh, oh, ça c'est du plaisir pour les yeux, ça. Hein. Oh, je vais pas vous mentir là. Du bruit en régie. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Édition limitée, encore une fois, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Faut déconner non plus. Non, malheureusement, on n'a pas pu faire autrement. Et ça c'est tue, ça. Et donc, voilà, Microïd Record, il est disponible. Donc, allez-y, maintenant. Ouais. Ah là, faut y aller. Faut y aller très très vite si vous le voulez. Parce qu'il y en a plus beaucoup. Il y en a un de moins. Donc ouais, mais il est très beau. Ah, il est magnifique. Voilà. Il est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Et ça, c'est avec ce petit détail de la découpe, la pochette, où tu vois le petit logo, évidemment. La femme soignée, comme on dit. C'est ça. Ah, clairement, on sent qu'il y a une fabrication un petit peu poussée là-dessus. Hein. On va pas se mytho. Donc voilà. C'est, ça fait plaisir de voir des produits comme ça. D'autres titres vont être disponibles mois de juillet, mois d'août. On aura un peu de sortie, un peu tout le temps. J'aime bien quand tu parles comme ça. T'aimes bien, hein. Overlord. Oh. No Game No Life. Ah. Un peu dommage. Moins, un peu moins. tu vas avoir, en tout cas, cet été, on va avoir entre 6 et 8 titres à peu près. Là, on attend toutes les validations, bien sûr. Ah oui, c'est solide. Voilà, donc tu vas avoir aussi un Hajime no Ippo qui arrive. Voilà. Allez voir, il y a plein de préco. Ça va directement dans mon cœur. Allez voir sur microidsrecord.com. Il y a tout ce qu'il faut, en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut, voilà. Le petit One Piece Stampede qui fait bien plaisir, on va pas se mentir.
Eh bien, écoutez, merci à vous trois. Merci beaucoup, Pascal, pour tout ça. Vraiment, tu nous as ramené une quantité, frère. C'est une catastrophe. Le plateau, il n'a plus aucun sens, là. C'est un enfer. Voilà. On s'est régalé, évidemment. C'est vrai, range ta chambre, des fois, un peu, Pascal. C'est important. Merci beaucoup, mon gars. Merci beaucoup, Timothée, également, d'avoir bravé ce train, comme à chaque fois. Merci mille fois d'être venu pour tes anecdotes et pour toutes ces petites informations en interne que tu peux nous donner. C'est un véritable plaisir de t'avoir. Et évidemment, merci Shedly pour nous avoir donné un petit peu ce côté, voilà, viewer, parce que c'est cool d'avoir l'intérieur, mais des fois, c'est important aussi d'avoir l'avis du cœur de cible. Donc, un grand merci pour ta participation à ce live. Ça m'a fait bien plaisir de t'avoir. Merci évidemment au chat, la famille, les boss. Vous avez été au rendez-vous comme à chaque fois. C'était un véritable plaisir de vous avoir. J'espère que celle-ci vous aura contenté. Merci évidemment à la régie qui nous aura régalé. Merci évidemment à ce très cher Nathan qui n'est pas là, mais qui nous a regardé depuis le chat. Voilà, comme on dit, rendez-vous en juin pour un prochain live. Je vous parlais un petit peu de Bakuman tout à l'heure. Est-ce que c'était voulu? Tout à fait, puisque ce sera un live sur Oba, Obata, ainsi que Asakura. Soyez prêts. Je peux vous assurer que le live de juin, il va être pimenté. À la prochaine !